Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce commentaire du match qui oppose Servette à Saint-Gall ici au Kibun Park. Je suis avec Juan Boudeguer, comment vas-tu ? Ça va extrêmement bien, ça faisait un petit moment que je n'avais pas été en commentaire et je suis très content d'être là pour cette ambiance du Kibun Park qui est assez spéciale par rapport aux autres clubs. Effectivement, on est dans le stade avec la plus grande affluence du public, quelque chose qu'on espère voir le stade La Praille atteindre un jour, et d'ailleurs ça en prend la direction. Dépasser, oui, déjà. Et c'est vrai que l'infrastructure, elle est belle, elle est fonctionnelle. On aimerait juste un ascenseur qui marche quand on arrive, parce que c'est vrai que la valise de notre matériel est quand même relativement lourde à porter sur les trois étages qui nous séparent de la salle média, mais... voilà, pour autant qu'on ramène les 3 points, on est prêt à fermer les yeux sur ce genre de petits inconforts. Mais pour l'anecdote, l'année passée j'étais venu pour le 2-1, ou peut-être pour le 5-1, je ne sais plus, les deux défaites qu'on avait eues. Une des deux fois, j'étais blessé du genou. J'étais en train de me remettre de mon ménisque et ils avaient refusé de me permettre l'accès à l'ascenseur parce que c'était utilisé pour d'autres personnes. C'est que je trouve très moyen à ce niveau-là, mais bon, c'est le seul... petit truc mauvais qu'on trouve de ce qui vont parc. C'est ça. En tout cas, salut tout le monde. On vous voit dans le chat. On va lire vos commentaires de temps en temps, même si ce ne sera pas toujours facile. On va se concentrer sur le fait de vous raconter ce qui se passe sur le terrain devant nous. Terrain qu'on ne peut pas vous montrer. Hein, je vous le précise d'emblée parce qu'on a cette question à chaque fois. Il s'agit d'une ligue professionnelle. Montrer les images du terrain, c'est un budget assez conséquent. Et bien évidemment, nous, petite structure qu'est Lucarne Grenat Radio, on n'a si pas le budget. Mais 1 million, 2 millions de francs pour qu'on puisse payer les droits de TV, nous, ça nous va. C'est ça. Si vous avez 1 million à offrir, eh ben, sachez que ça vous permettrait de voir les images du terrain quand on commente les matchs. Voilà, pensez-y. En attendant, peut-être aborder quelques éléments d'actualité. On a vu sur à peu près tous les sièges du stade, sauf ceux du secteur visiteur, un petit papier rouge, on les a à côté de nous. On était un petit peu étonné de voir donc ceci. Il s'agit en fait d'une information liée à la décision récente du club de s'opposer au format des play-offs. Vous avez certainement vu des informations à ce sujet, mais il y a maintenant... 4 clubs avec les deux Zurich et Lucerne, si je ne me trompe pas, qui s'opposent au format des play-offs qui est une des composantes du nouveau système de Super League qui est attendu la saison prochaine. Donc ce serait intéressant de savoir si vous avez un avis par rapport à ce format-là. C'est quand même étonnant de voir ce réveil un petit peu tardif d'opposition par rapport à cet élément-là, alors que lorsque le nouveau système avait été choisi, la décision était vastement soutenue. Je crois qu'il n'y avait que 2 clubs, dont un de Challenge League, qui s'était opposé au nouveau format, mais ça mérite d'être vérifié. Quoi qu'il en soit, Saint-Gall est le dernier club à avoir rejoint l'opposition et ils ont clairement tenu à le faire savoir en placardant des petits prospectus sur toutes les places. Mais ça peut, c'est que dont on parlait avant le début du live, c'est-à-dire qu'ils ont quand même voté pour, si je ne me trompe pas, et maintenant ils sont contre cette décision alors qu'ils avaient déjà voté pour. Par contre, j'aimerais bien répondre juste avant à WTS Music Glory. Je pense de la finale 2014 qu'il faudra aller voir dans tes mails, il y a une petite surprise pour toi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est assez particulier depuis quelques semaines ces mouvements contre les playoffs qui ont commencé à refaire surface. Donc on verra où ça nous mène, sincèrement. En tout cas, une petite incertitude commence à se créer sur cet élément-là. On sait en tout cas que l'élément qui n'est pas contesté, c'est l'augmentation du nombre d'équipes et donc la diminution du nombre d'affrontements entre chaque équipe. Alors, pour nous qui avons fait plusieurs déplacements à Saint-Gall, c'est pas pour nous déplaire, c'est quand même un long chemin pour venir ici. Et les deux dernières fois, on était de la partie. On a eu le cœur brisé également, car si vous vous souvenez, la dernière rencontre entre les deux équipes ici au Kibun Park était une défaite 5-1 pour les Grenats avec l'expulsion de Vincent Sasso à l'époque qui avait entraîné, je crois, les 3 derniers buts de la rencontre. Et avant ça, on avait le match qui s'est terminé à 2-1 sur une réussite accordée à la dernière minute par l'arbitre Piccolo. Une décision qui, bien évidemment, n'était pas du tout justifiée, ce que même le corps arbitral a réalisé en le rétrogradant d'une ligue pendant quelques mois à la suite de cette bourde qui avait coûté du coup à Servette un point qui aurait fait du bien dans une période de disette. Là, on est dans un mois d'octobre assez spécial parce que Servette sort de sa première victoire en octobre depuis 2018, si je me souviens bien. C'est un très bon résultat parce qu'à part la défaite face à Lugano, c'est quand même, si je ne me trompe pas, tu me corriges, un match nul et une victoire. Donc sur les 3 derniers matchs, il y a quand même
deux résultats à peu près positifs. Enfin, un résultat positif en tout cas. Disons que c'est équilibré. C'est équilibré, c'est mieux que les années précédentes. C'est équilibré et surtout, Servette aujourd'hui a relativement peu d'enjeux. Hein. Une victoire le rapprocherait à 3 points du leader Young Boys. Une défaite le maintiendrait à la deuxième place, mais avec Saint-Gall qui vient prendre la troisième place, passant devant Sion et arrivant à 2 points des Genevois. Donc, disons que ici un faux pas serait sans grand frais, si ce n'est peut-être maintenir cet espoir fou de voir Servette accomplir de grandes choses cette saison avec les résultats qui sont enchaînés depuis le début. Alors peut-être mentionner qu'avec le match d'aujourd'hui, il reste 4 rencontres avant d'arriver à la pause internationale pour la Coupe du Monde qui sera assez longue. Donc les rencontres qui attendent Servette, c'est ensuite 2 matchs à domicile, le premier contre Lugano, ensuite contre Young Boys. Et la pause internationale commencera dès la rencontre contre le FC Zurich au Letzigrund. Donc 4 rencontres qui vont être assez techniques, surtout ici au Kibun Park où Servette a un passif assez très compliqué quand même. Assez compliqué. 5 défaites et 1 victoire depuis la remontée en Super League en 2019 sur un bilan total de rencontres contre les Brodeurs de 3 victoires, 2 nuls et 8 défaites, sans compter celle en demi-finale de la Coupe de Suisse. Donc voilà, c'est un club qui, avec Lugano, c'est deux clubs qui posent énormément de problèmes à Servette depuis la remontée. Donc on espère bien évidemment que toute chose est faite pour terminer. Peut-être que la série négative contre Saint-Gall également. Ça serait parfait, sincèrement. Vu que la dernière victoire était le 3 mars 2021, à la 23e journée de la Super League pour la saison 2021. Donc c'est sérieux, sincèrement, je viens de le monter, donc je pense que c'est bon. Okay. En tout cas, dites-nous dans les commentaires. Ouais, Thomas, dis-nous si la voix de Juan est audible. Mais il y a des atténuants, il y a des stats qui font un peu peur. Je pense qu'il est un peu mal passé à cause du mail, hein, il vient de le lire. Mais en tout cas, ah oui, ça étonne. En tout cas, il faut se rendre compte que cette équipe de Servette a un peu du mal à l'extérieur. Ça va encore. Ils ont marqué 6 buts à l'extérieur pour 7 buts encaissés. Mm. C'est qui reste quand même négatif. Mais par contre, de l'autre côté, Saint-Gall, ils ont encaissé 19 buts au total, si je ne me trompe pas. Donc 4 buts à domicile sur 5 matchs. C'est qu'ils montent bien, qu'ils sont très très forts à domicile. Et ça fait quand même 5 matchs qu'ils n'ont pas eu de victoire. Donc si tu peux me les rappeler parce que je ne m'en souviens pas du tout. Donc les dernières rencontres de Saint-Gall, c'est un match nul à l'extérieur à Lucerne, un match un peu fou qui a eu lieu pas la semaine dernière, c'était mercredi il me semble. Mais s'en est précédé un match nul concédé à domicile contre Lugano, une défaite à l'extérieur 2-1 contre Young Boys, une défaite à l'extérieur 3-2 contre Bâle. Et une défaite à domicile contre Sion 2-1. Ça, c'est les 5 matchs de Super League qui ont eu lieu depuis la victoire ici même contre Young Boys 2-1. Mais ça remontait au 4 septembre, il y a un mois et demi. Alors que pour se consoler, il y avait la victoire en coupe contre Étoile Carouge 4-2. Mais effectivement, Servette a un bilan qui est plus positif. Hein. Là, on a 3 victoires dans la même période, y compris celle en coupe contre la Chaux-de-Fonds. 2 nuls et 1 défaite. Donc en fait, les 2 défaites supplémentaires de Saint-Gall, c'est 2 victoires supplémentaires pour les Grenats, ce qui n'est pas pour nous déplaire. La dynamique, en tout cas, ne fait que renforcer le côté serré de cette rencontre à laquelle on s'attend tout à fait. Parce qu'on est dans une rencontre qui va opposer la deuxième meilleure attaque de Super League, Saint-Gall, à la deuxième meilleure défense de Super League, Servette. Ou alors, à contrario, la 7e meilleure attaque contre la 5e meilleure défense. Ça, c'est un petit peu moins encourageant. Mais peut-être une statistique qui est assez historique avec cette rencontre, alors qu'on sait que les entraîneurs, c'est une valse sans fin. C'est presque un derby maintenant. L'entraîneur avec le plus d'ancienneté de la Ligue, c'est Peter Zeidler, engagé le 20 mai 2018. Alain Geiger est le deuxième, engagé le 24 mai 2018, les deux entraîneurs ayant entraîné 156 rencontres en Super League, ce qui est quand même un chiffre assez phénoménal quand on sait à quel point l'espérance de vie d'un arbitre est courte. Entraîneur. Ah oui, d'un entraîneur, oui. Mais ça montre leur longévité et ça montre qu'on est quand même pas mal satisfait de leur travail respectivement. Eux qui ont eu des très très bons résultats, un Saint-Gall qui est très difficile. Je le trouve cette saison pour l'instant un peu irrégulier, enfin pas totalement à son rythme, mais je pense que c'est deux des plus belles équipes à regarder toujours, même si Servette joue beaucoup moins bien.
Mais on verra qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, sachant qu'en plus, Servette, depuis le début de la saison, c'est 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites à l'extérieur. Alors qu'on s'est fait constamment saluer depuis le public saint-gallois qui se trouve juste devant nous. Des gens très gentils qui viennent, qui veulent apparaître sur la caméra. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Est-ce qu'on peut passer aux compos ? On peut tout à fait passer aux compositions. Est-ce que tu veux commencer, Juan ? Alors, je peux commencer. Est-ce que tu veux que je fasse Saint-Gall ? Comme tu veux. Je crois qu'on a l'habitude de faire l'équipe à l'extérieur. Donc, mais comme tu veux. Commence avec, avec Servette. Vas-y, vas-y. Alors, pour le 11 Grenat, pas beaucoup de changements depuis la dernière rencontre qui a opposé Servette à Grasshopper. Un seul changement, le remplacement de Antounès blessé par Patrick Fluquet. Mais sinon, vous connaissez cette composition par cœur, c'est Jérémy Frick dans les buts. Devant lui, Steve Rouillet en l'absence de Johan Séverin, qui, je l'espère, devrait nous revenir bientôt. Et Nicolas Vouillot qui forme la charnière centrale sur la gauche, l'irremplaçable Gaël Clichy sur la droite, Moussa Diallo. David Douline en milieu défensif avec devant lui Timothée Cogna et Patrick Fluquet que j'ai mentionné tout à l'heure. À l'aile gauche, on a Derek Kutesa qui est en feu ces temps-ci, Miroslav Stevanovic, le seul et l'unique qui nous accompagne depuis toutes ces saisons, et en attaque comme durant le match contre Grasshopper, c'est Fofana qui va se charger d'allumer la défense adverse. Et sur le banc, on pourra compter sur Omer Agic comme gardien remplaçant, sinon Cespedes, Valls, Bauer, Crivelli, Samba Dibavlele, Baron, Montero et Dias Patricio se tiennent à disposition de l'entraîneur Alain Geiger. Espérons qu'ils auront quelques minutes à disposition quand même. Surtout dans le cas de Dias et Montero. Exactement. On le supplie, s'il vous plaît, mettez-le un moment. On va passer à la composition saint-galloise très rapidement, alors qu'on voit une vidéo émotive de présentation de l'équipe de Saint-Gall ici sur le terrain. Donc nous aurons dans les buts, nous aurons Ziggy avec le numéro 1. En défense centrale, nous aurons Stardew et Maglica. Je suis pas très sûr comment ça se prononce, mais sur les côtés droits, nous aurons Balchi. Sur la gauche, nous aurons Guindo avec le numéro 19. Quintilla en milieu défensif. En milieu central, nous aurons Gertler et Schmidt. Sur le côté droit, Akolo. Sur le côté gauche, nous aurons un ancien Servettien du nom de Guimeno. Et tout devant, nous aurons Latelat, dont nous avons, enfin en tout cas moi j'ai un peu peur. Petite stat qu'on n'avait pas signalé tout au début. Mais Saint-Gall actuellement a 6 meilleurs buteurs du championnat. Donc pas 1, pas 2, pas 3, 6. Qui ont 3 buts chacun. Avec Gertler, Latelat, Guimeno, Vomos, Akolo, Chou et Schuvert, si je ne me trompe pas. Et je vais tout de suite passer au remplaçant, ne t'en fais pas. Mais en tout cas, tous ces 6 joueurs ont 3 buts chacun, ce qui montre un peu la férocité de l'attaque saint-galloise. Et pour les remplaçants, nous aurons Vatkoviak, Stilhart, Fomos, Carlen, Kempter, Alves, un ancien connu de la maison de Servette, Zutter, Guidotti, un ancien Luganais, et Witzig. D'attaquants sur le banc de Saint-Gall. Effectivement. À mentionner aussi que l'arbitre de cette rencontre sera Fedaï San, qui avait pris des décisions un petit peu curieuses lors du dernier match à la Prime. Mais surtout, ce qui m'inquiète, c'est Chudi Alavar. Et c'est Chudi Alavar. Donc, on a un duo de Usual Suspects. Juste vérifier que j'ai pas changé l'écran. Parfait. Nous sommes des streamers professionnels. Fedaï San sera assisté par Jonas Erni, F.E. Kournatska et David Hubiler. Bekim Zogage assistera Lionel Chudi à la VAR. On a une question assez intéressante dans le chat de quelqu'un qui pose la question pourquoi Diallo plus que Bauer. Alors effectivement, on en a parlé. C'est vrai que la manière que Geiger a de décider qui il met en arrière-droit est un petit peu mystérieuse. Hein, parce que quand Diallo joue bien, Bauer commence à faire son apparition et finalement le remplace, et vice-versa. Alors je ne sais pas s'il a décidé une rotation, mais finalement j'ai l'impression que les deux joueurs ont leurs qualités et leurs défauts, qui se complètent assez bien, et puis que suivant la dynamique du match, ça peut être intéressant de mettre en place certaines priorités, alors que les petits papiers rouges qu'on vous a montrés tout à l'heure commencent à être utilisés comme avion en papier, et que je vois effectivement les supporters Grenat dans le secteur visiteur ont plein de papiers rouges qui tiennent à la main, hein, et qui montent fièrement, qui n'étaient pas sur leur chaise. Alors est-ce que c'est un soutien à ces clubs qui commencent à refuser le format des play-offs? Il y en a deux, trois qui les ont cassés. Donc. Ou alors, est-ce qu'ils ont leur propre version avec un slogan qu'on n'arrive pas à lire? C'est un mystère.
Mais effectivement, un petit peu de mystère sur ce poste d'arrière droit. En tout cas, je pense qu'il y a un avantage aussi face à quelques indisponibilités dans la défense genevoise d'avoir plutôt Moritz Bauer en réserve, parce qu'on le sait, hein, Moritz Bauer peut jouer comme arrière droit et comme arrière gauche, ce qui est peut-être un petit peu moins le cas de Moussa Diallo. Donc je pense qu'ici un peu de prudence était tout à fait nécessaire, ce d'autant plus qu'on est là sur un rythme assez frénétique de match pour ces équipes. Et on peut dire qu'il y a, pour répondre à ta question, le génie, il y en a quand même pas mal. Je dirais qu'il y en a 150, peut-être 200, on parlait juste avant le live. Donc il y a pas mal de Grenats qui ont fait le déplacement jusqu'ici, un déplacement qui n'est pas toujours facile, qui est très très long. On les a vus partir à la gare Cornavin quand nous on partait aussi pour venir jusqu'ici. Mais pour répondre à ta question, enfin pour revenir sur le sujet avec Bauer et Diallo, c'est vrai qu'on se pose beaucoup la question, parce que Bauer était en train de faire des très bons matchs en début de saison, enfin en tout cas des bons matchs. Il a marqué à son dernier match et ensuite, dès que Diallo avait été disponible, il a tout de suite mis comme titulaire à droite. Donc, mais c'est un très bon point que tu as souligné, je pense que tu as raison. C'est simplement que c'est pour éviter de fatiguer Bauer et l'avoir, si jamais il en a besoin, d'un défenseur gauche pour remplacer Clichy. Je pense qu'il le garde en tout cas comme remplaçant pour l'instant, en attendant Savoie-Dogo, dont on n'a pas de nouvelles. Je crois qu'il est avec les M21, essaie de regagner du rythme, et avec Verami qui est encore blessé, dont on espère qu'il reviendra très très bien. Bon, c'est pas une blessure très grave, je crois que c'était au bras, donc ça va pas trop l'affecter footballistiquement, mais on espère le revoir très bientôt, qui avait été très intéressant la saison passée. Alors nous on attend ici le coup d'envoi, alors que devant nous ils sont, et le coup d'envoi est tout de suite avec Rouillet qui remet à Rouillet qui met un long ballon qui va être dévié par Maglica pour Guimeno au milieu de terrain. C'est Doling qui gagne finalement le duel pour Fofana qui l'a remis, il n'y a personne. Maglica qui va pouvoir ressortir, il envoie un très très long ballon face à Vouillot qui la donne à Guimeno qui met un coup de tête pour Diallo qui va dégager tout de suite. Beaucoup de ballons en l'air quand même en ce début de match, ça continue, on est au moins au 10e et ça va être je sais plus qui c'est, ça va être pour Quintilla qui va mettre en profondeur pour Latelat face à Doline, très bon travail, il a failli faire faute Latelat face à numéro 28 de Servette, ça va être pour Vouillot qui va dégager tout de suite à la recherche de Fofana qui se va face à Maglica, Sergio qui arrive face à Fluquet qui va la remettre à Quintilla pour Gördler, et Gördler qui peut la donner tout de suite sur le côté droit pour le numéro 1, pour Vinci. Valci qui va pouvoir centrer, non il préfère la donner au fond pour Ecolo, et Akolo qui va pouvoir centrer et c'est dévié par Royer, c'est finalement sorti de but. Il a dû avoir un rebond malheureux. Cette rencontre est lancée. On a un petit peu d'appréhension sur la base de notre expérience passée dans ce stade. On va pas, s'il vous plaît. Mais on a un petit peu d'espoir parce qu'on sait que Servette est beaucoup plus solide durant ce début de saison. Et je ne fais que m'électrocuter avec le câble qui passe juste au-dessus de mes cuisses. Donc il faut que je fasse attention. et Saint-Gall qui manque un peu plus de constance alors que. On a le soleil dans les yeux, un peu comme les lampadaires de ce stade, et puis ça commence à être un petit peu... On commence à voir le soir poindre, alors que le dégagement de Frick a atterri directement sur une tête saint-galloise, et Latelat qui prend de vitesse Nicolas Bouillot qui se dirige en direction de Steve Rouillet. Va-t-il tirer et oui, il va pouvoir tirer, mais c'est beaucoup trop loin du il cadre. Il était vaincu, Rouillet, hein. Il était vaincu, il aurait pu frapper, il était vaincu. Il rate cette frappe. Alors il y avait quand même une obstruction et Frick était bien sur ses appuis. Oui, ça mais effectivement, c'est la deuxième fois en deux matchs qu'on voit en début de rencontre Nicolas Bouillot se faire prendre de vitesse par un attaquant adverse. Donc on lui souhaite de rentrer un petit peu plus vite dans le match. Alors que là, sur le côté gauche, Patrick Fluquet cherche très loin Fofana devant, mais Titigui va capter le ballon sans aucun problème. À chaque fois que je regarde le but saint-gallois, je suis ébloui par le soleil, totalement. Mais moi on aussi. Se réjouit qu'il se couche un petit peu. Alors que je crois que c'est Maglica qui sert Guimeno qui se fait déposséder de la balle par Cognac qui se retourne admirablement, qui essaye de servir Fluquet, c'était un petit peu trop loin. Mais Cognac qui se bat pour récupérer cette balle auprès de, il me semble que c'est Stillart, c'est Gürtler. Ce sera une intervention fautive. Coup franc pour Saint-Gall. Alors ça va être pour la défense saint-galloise qui va pouvoir ressortir simplement. Est-ce qu'il y a des commentaires qui traînent un peu par ici? Ça va être pour Valci pour Latelat qui cherche encore. Ça va être Rouillet qui défend très bien. Il met le corps pour éviter le passage de l'attaquant saint-gallois. Et ça va être pour Frick qui n'a pas vraiment de choix.
Il est un peu ébloui, enfin, de ce que j'ai compris, de ses gestes. Et surtout, il y a un très bon pressing de la part saint-galloise. On connaît ce pressing saint-gallois qui est toujours présent des Brothers. Le dégagement peut-être de la part des Fricks, ça va aller chercher Diallo ou Stevanovic sur la ligne qui va pouvoir, alors qu'il laisse sortir cette balle. Je ne suis pas sûr qu'elle était sortie, sincèrement. Je crois que oui. Et puis, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est de reconnaître, là, dans le plan de jeu servettien, un milieu de terrain assez dégarni. La ligne offensive servettienne joue très haut, mais vu que les Saint-Gallois en font de même, bah du coup, il y a énormément d'espace au milieu du terrain. J'espère que ça ne prêtera pas à conséquence. Alors qu'une touche a été obtenue par les Grenats juste devant le banc de Peter Zeidler, c'est Moussa Diallo qui sert Stevanovic, qui dévide la tête. Et attention, c'est Cogna qui arrive à être en possession de la balle à l'oreille de la surface. Et ce sera une touche. Une touche jouée quasiment au poteau de corner par Stevanovic ou Diallo. Ce sera Diallo. Oui. Qui va pouvoir servir, on est devant l'immense cop saint-gallois qui est toujours aussi impressionnant à voir. Diallo qui joue avec Stevanovic, retour pour Diallo. Stevanovic n'a pas pu contrôler cette balle. Petit télescopage avec un défenseur, c'est Fofana qui se retrouve avec la balle. Ouh, cette balle était très intéressante, mais a été interceptée par un défenseur. Patrick Fluquet sur le côté gauche est obligé de revenir sur Clichy. Clichy qui joue avec Koutessa pour Fluquet. Fluquet peut aller de l'avant. Il trouve Fofana dans la surface qui va centrer, tirer même. Tiki qui arrête et Fluquet sur le renvoi. C'est pas vrai. Incroyable. Patrick c'est Fluquet quoi cet arrêt avec sa 32e frappe cadrée de la saison. Balle qui a été claquée par Atit Zigi. Alors là, le match il commence à 1000 à l'heure. Hein. On joue la 5e minute. Il y a déjà une action claire pour Saint-Gall, une autre pour Servette. Une double frappe cadrée de Fofana, puis Fluquet. Servette attaque en direction du COP. En direction du COP saint-gallois afin que, du coup, durant la deuxième mi-temps, le COP saint-gallois espère voir des buts directement sous ses yeux en faveur de son équipe, mais il ne manque qu'à la défense servettienne de leur priver de ce plaisir. Le centre de Fluquet, attention à la tête qui vient en arrière pour Stevanovic qui se retrouve de dos, le tir du gauche s'est dévié par le défenseur saint-gallois. Ça va être touche finalement, en tout cas très intéressant ce match de la part des Servettes. C'est incroyable cet arrêt de Ziyi, on y reviendra. Mais en tout cas Servette qui joue pas leur play devant très très vite pour essayer de jouer avec les pieds et jouer très vite aussi. Donc ça peut être très intéressant du côté offensif, ça va être pour Diallo. Diallo qui remet en arrière pour calmer le jeu un peu avec Vouillot. Vouillot qui revient jusqu'au milieu de terrain avec Royer. Royer qui va lancer un long ballon transversal avec Diallo. Il y avait peut-être faute de la Telat. C'est dégagé par Guindo. Guindo qui met directement sur le ballon en touche. Et ça va être pour Mitja Stevanovic. Ça va être finalement Diallo qui va effectuer la touche. Est-ce qu'il va la donner à Fofana qui essaie de se montrer? Ça va être plutôt Stevanovic, il n'a pas trop de choix. Ouais, ça va être finalement Fofana pour Diallo. Diallo qui la remet. Ça va être Schmidt qui remet cette balle dehors. Ça va être touche pour Cognac qui est tout de suite joué. Cognac qui resserre Diallo. Diallo qui va pouvoir centrer. Il n'y a personne malheureusement. C'est dégagé par le défenseur droit de Saint-Gall. Finalement Diallo. Diallo sur le côté droit. Cognac qui a la position de centrer face à Schmidt qui va centrer tout de suite. Attention. Ezi qui va l'avoir dans les mains. En tout cas, une attaque servettienne très présente. Maintenant, il faut revenir. Sigit qui. Ziggy qui hésitait à lancer le contre, heureusement il l'a pas fait parce qu'il n'y avait pas énormément de Servettiens qui étaient encore là. Mais on attend de voir. Et pour l'instant, c'est Servette qui mène l'attaque. On va voir comment ça va continuer avec Estarjeu. Estarjeu qui va la donner à Maglica. Maliga qui peut ouvrir sur le côté gauche pour Guindo. Il décide de s'avancer vers le milieu de terrain. Il va la donner à Estarjeu. Estarjeu qui n'a pas vraiment de solution. Une bonne défense pour l'instant de Servette. Avec un milieu très présent au niveau des passes possibles. Koutessa qui s'est fait dépasser par Valci. Valci qui va pouvoir centrer. Attention, le son de la Telat qui la touche. Rouillet qui arrive à dégager ses ballons. Ça va être pour Kitia. Kitia qui gagne face à Konya. Ça va être pour Maglica. Maglica pour Götler. Götler qui va repasser du côté gauche. Il y a beaucoup d'espace sur le côté gauche. Saint-Gallois, ça va être pour Guindo. Guindo qui va pouvoir centrer. Attention, le centre à ras de terre et c'est Frick qui laisse passer le ballon. Et il y a faute, je dirais, peut-être. Non, c'est... Il y a faute. Il y a faute, effectivement, il a pris le ballon de pied. Non, c'est juste. Ça a été signalé comme but. Ah non. Pour moi, il a pris le. Il a tapé le gardien, Guimeno. Ouais. Mais c'est un peu compliqué. On verra si la VAR intervient, ça, mais ça m'étonne un peu qu'il n'y ait pas eu de contact fautif. Hein. C'est... Oui. On est un petit peu pris à froid par ce but saint-gallois. Je suis un petit peu sonné. On sortait d'une phase offensive qui a... aussi, hein.
sincèrement, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Alors, mais je pense que tu as la relevé correctement. Ce couloir gauche saint-gallois était bien vide. Stevanovic hésitait à s'avancer, c'était le job de Diallo, et il ne bougeait pas, ce qui a laissé... Yavar, attention, Yavar. Vérification VAR, effectivement. Pour moi, il y avait faute sur Fried, parce qu'il l'avait. Il avait mis la main dessus. On va voir tout de suite qu'est-ce qu'il va nous dire, monsieur San. Alors, il est juste sous nos yeux. Il a regardé pendant une seconde, et il n'y a effectivement pas de but. Voilà. Pas de but, ok. On avait vu correctement, c'est ça vous rassure un peu. En tout cas, la VAR est là. Fried a une main sur le ballon, nous dit oui. Thomas. Ouais, effectivement, c'est tout à fait compréhensible. Notre cher Guimeno qui fait des siennes. Mais ça ne change rien en fait que le placement de Moussa Diallo était laissé à désirer, puis il y a même surpris Stevanovic. Avertissement sans frais, mais alors on n'est pas passé loin. Alors que le dégagement de Jérémy Frick est complètement raté. Alors là, on a peut-être on observe un petit peu les résultats de ce camp de quelques jours mené par les hommes d'Alain Geiger. On a une phase offensive impressionnante. On a rarement vu ça avec Servette. Mais alors en défense, ça devient un petit peu compliqué. On connaît les qualités individuelles des joueurs du Kibun Park, mais là quand même, Servette est la deuxième meilleure défense du pays. Il faut le prouver de temps en temps. Alors que Diallo arrive à conserver cette balle. Cogna, Doulin cherchait. Oula. Très loin Kuteza, mais Kuteza n'avait pas anticipé du coup ce sera une touche à la hauteur des 16 mètres sur le côté droit des Saint-Gallois. Ouais, effectivement, alors là c'est parti dans tous les sens ce début de match. On commence à suer un peu. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de choses à commenter. Pour moi c'est un peu l'erreur des deux, un peu l'erreur des dialogues qui ne va pas sur l'attaquant, qui ne le presse pas. Et Stevanović qui n'était pas sur son couloir droit, ça m'a vachement étonné, il était plutôt axial. Alors que encore une fois sur le côté gauche, tout est libre du côté Saint-Gallois, Schmidt qui la donne, c'est Guindo qui va la donner à Schmidt, et Schmidt qui va pouvoir la redonner, il préfère jouer dans l'axe pour Guimeno. Guimeno qui fait un tag glissé pour la donner à Gertler face à Flouquet, Gertler qui arrive à passer à la télate. Là, il y a beaucoup de mouvements sur le centre du terrain, ça va être le centre de Akolo qui va pouvoir centrer. Heureusement que Cliché est là pour dégager ce ballon, ça va être touche pour Saint-Gall. Mais encore une fois, une lacune défensive du côté droit servetien. Stevanović qui n'est pas là, Cognac qui n'arrive pas à venir défendre et Diallo qui laisse passer. Diallo qui est trop loin sur l'action pour pouvoir intervenir. Et on voit sur le côté gauche, Akolo qui va pouvoir avancer, Schmidt qui perd cette balle mais c'est récupéré par Valci. Valci pour Gödler, Gödler qui va changer de côté pour Guindo. Diallo qui vient tout de suite sur Diallo. Il faut revenir Diallo sur la défense centrale, c'est juste de Bouillot. Diallo qui cette fois, pour moi c'est Stevanović qui ne revient pas assez, qui est trop axial pour l'instant. Mais c'est vrai que Diallo là il est sorti, Bouillot a dû sortir aussi. Et on aurait pu avoir des complications de ce côté-là. Mais je crois que j'ai compris, Juan. La raison pour laquelle Servette commence mal, c'est que j'ai oublié de mettre mon écharpe en début de match. Donc là, c'est fini pour les Brodeurs. Alors par contre, on n'est pas du tout favori hein, pour ce match apparemment. On vient de voir la cote pour les parieurs. On est à un peu plus de 1,3 pour les chances de victoire saint-galloise et puis 6,7 pour les Servettiens. Donc là, je vous rappelle, plus le chiffre est élevé, moins il y a de chances que ça se produise. Donc vraiment, on s'attend à 4 fois plus à une victoire saint-galloise que Servettienne. Alors que le centre est tiré et c'est boxé par Jérémy Frick directement dans les pieds des Saint-Gallois. Un nouveau centre qui atterrit sur Cognac qui arrive à dégager cette balle en touche. C'était mieux de faire comme ça et cette balle a failli atterrir sur deux bières entièrement pleines. On souhaite à ces spectateurs de pouvoir continuer à en bénéficier avant que les verres se fassent shooter. Un centre très intéressant des Saint-Gallois qui atterrit dans la surface mais le dégagement se fait attendre hein. C'est toujours un pied Saint-Gallois qui est sur le ballon en premier alors que là Stevanović arrive à arriver sur le ballon avant, il me semble que c'est Guindo hein. Oui. Guindo effectivement qui va faire cette touche. Là les Saint-Gallois insistent pour une fois beaucoup sur leur côté gauche avec Schmidt qui joue et c'est Latelat qui a reçu la balle en position de hors-jeu à mon avis. Ils ont quand même laissé suivre. Effectivement. Apparemment il n'y avait pas d'enjeu. Apparemment il n'y avait pas. Ok. Mais je vois Stevanović très, très essoufflé quand même. Hein. C'est particulier. Il va falloir le suivre. Il n'y a pas de milieu droit qui va pouvoir le remplacer, mais en tout cas je ne le vois pas à 100% pour l'instant. Tu es sûr qu'il n'y a pas de milieu droit qui peut. Oui, effectivement, il n'y a personne.
C'est compliqué ce bon Servetien avec toutes les blessures, les déplacements en 3 jours. Ouais. Déplacement pas du tout facile. On sent l'intensité du rythme des matchs qui sont disputés en ce moment. Alors que Stevanović a pu servir Cogna sans problème, mais Cogna se fait prendre de court alors que Latellat joue en retrait et c'est de nouveau sur Latellat. Et heureusement que Steve Brouillet était là pour couper le 1-2 qui était en train de s'organiser avec Latellat, alors que Diallo peut servir très loin direction Stevanović et c'est Guindo qui va pouvoir dégager en touche de justesse. Mais oui, c'était un 1-2 comme à l'école entre Latellat et Jérémy Guimeneau qui est en train de se produire, mais Steve Brouillet, le vétéran, a pu s'interposer. Très très bonne défense pour l'instant du côté de Servette, alors que Saint-Gall se montre extrêmement dangereux. Flouquet qui arrive à voir ce ballon au milieu de terrain pour Deligne. Deligne qui sur le milieu de terrain pour Diallo. Diallo sur le côté droit qui va revenir pour Bouillot. Une défense très bien placée de la part de Saint-Gall qui monte en bloc pour essayer de déranger Servette. La passe en profondeur pour Stevanović face à Guindo. Guindo qui va sûrement laisser partir ce ballon. Non, très bien joué de la part de Stevanović avec la récupération. Il va peut-être la perdre face à Guindo. Non, on ne l'aide pas du tout, Diallo qui prend ce ballon et malheureusement il a touché le genou. On ne l'aide pas assez Stevanović parfois, il faut aller l'aider aussi, on le voit se battre, il faut aller l'aider pour s'offrir en tant que passe possible, pour aller centrer derrière. Alors qu'on voit apparaître une banderole dans le club saint-gallois en hommage à Schubert, le joueur qui a subi une double fracture tibia-péronée lors de la rencontre contre Young Boys et qui peut-être aura l'espoir de revenir au jeu avant la fin de la saison, mais rien n'est moins sûr. Lui qui était en passe de devenir le meilleur buteur du championnat au moment où il a subi cet attentat de la part de Garcia, si je me souviens bien. Garcia qui a dû purger 4 matchs de suspension suite à cet assaut. Alors que les Saint-Gallois repartent suite à cette faute sifflée contre Servette, ils jouent maintenant sur le côté droit avec une tentative de déviation de la part de Görtler qui arrive finalement sur Steve Brouillet sans aucun problème. C'est Flouquet qui est à la lutte avec de nombreux joueurs qui viennent le presser et il arrive à obtenir assez intelligemment la touche. Mais pas du tout. Eh bien, Fedaïssa n'est pas de cet avis et accorde la touche à Saint-Gall. Saint-Gall qui va. Ouh, ils ont cherché Latellat et heureusement la défense s'est interposée, mais le dégagement arrive directement sur Guindo. Guindo qui retourne sur le côté droit, mais cette fois-ci c'est Gael Clichy qui rate son duel de la tête. Kuteza va pouvoir servir Pluquet. Pluquet va-t-il pouvoir avancer un petit peu tout seul? On dirait que c'est ce qu'il essaye de faire. Et il trouve Kuteza. Ah, malheureusement, c'était un peu trop fort. Il a essayé de trouver Kuteza, c'était intelligent, c'était la meilleure solution qui s'offrait à lui. C'est assez intéressant parce que les deux équipes ont l'air extrêmement bonnes dans la construction de leur jeu, mais pas très opportunistes, ce qui était une des forces de Servette durant une partie des dernières rencontres. Donc on espère que les opportunités vont se présenter et puis qu'ils sauront les exploiter. Mais pour le moment, ça reste 0-0 alors qu'on entre dans la 17e minute du jeu. Alors je trouve que peut-être ça allait, attention avec Frick qui donne tout de suite à Vouillot alors qu'il y a le pressing de Latellat et de Guimeneau. C'était très dangereux, ça récupéré finalement par Kindia. Kindia qui va la donner à Schmitt. Schmitt qui chute tout de suite avec une erreur. C'est récupéré par Deligne. Guimeneau qui fait faute sur Deligne, qui met le pied. Ça va être la passe longue pour Fofana. Fofana qui peut y arriver. Malheureusement non. C'est dommage parce qu'il n'était pas très loin. Mais en tout cas, j'ai quand même l'impression que ce premier but qui a été finalement refusé leur a donné quand même peur, enfin leur a fait peur et leur a. J'ai l'impression que ça leur a donné envie de défendre beaucoup plus, en tout cas de moins aller vers l'attaque, alors que s'effectuer la touche avec Cogna sur le côté droit, ça va être pour Diallo. Diallo qui revient en arrière avec Vouillot, une passe très compliquée vu qu'il va sortir et ça va être pour Saint-Gall, il faut éviter ce genre d'erreur. Alors que ça va être sur le côté gauche pour Guimeneau qui va la faire peut-être Guindo même. Il n'y a pas à dire, je préfère bien moins avoir le soleil dans les yeux que les lampadaires. Ah, je suis d'accord avec toi, oui. Et ça va être finalement pour Clichy sur le côté gauche, c'est une balle qui parce qu'elle a été mal réussie de la part des Saint-Gallois. Ça va être finalement pour Servette qui va pouvoir ressortir de ce côté-là. Nous allons nous arrivons gentiment vers les 18 minutes de jeu alors qu'on a eu 2-3 actions au tout début dans les premières 5 minutes et depuis il y a eu quelques frayeurs de la part de Servette, du côté servettien, mais pas grand chose de plus. Ça va être pour Valti face à Valti qui va faire. C'est ce que touche. Nous disait Thomas, hein. Un peu comme à Guetze, 5 oui. Premières minutes à l'avantage de Servette depuis c'est compliqué. Si le résultat est le même, moi je suis chaud. Effectivement, moi ça me va. Les 3 points, c'est l'essentiel.
alors que les Saint-Gallois arrivent à se débattre. Mais c'est Fluquet maintenant qui a la balle. Fluquet va-t-il pouvoir relancer? Il trouve Moussa Diallo libre sur le côté droit. Il peut avancer, il est poursuivi par Guimeno très rapidement. Est-ce qu'il arrive très à servir Fofana? Non, non, malheureusement très pas. Beaucoup d'imprécisions de la part de Diallo. Il n'est pas bien entré dans ce match. On sait qu'il y a Moritz Bauer sur le banc. Attention à lui parce que visiblement notre analyse du comportement de Geiger, c'est le dernier joueur à avoir joué à cette position bien. Prend la priorité. C'était pas le cas pour Bauer. En tout cas, ça va être Valci qui va pouvoir centrer et c'est contré par Clichy. Ça va être touche finalement. Valci qui va pouvoir effectuer la touche alors qu'il y a deux ballons sur le terrain. Alors que M. Saint demande de sortir le ballon du stade, presque, de le mettre en tribune parce qu'il ne veut pas le voir. Et ça va être finalement Valci. Valci qui va la donner à Akolo. Akolo qui perd le ballon. Je crois que c'était Akolo. C'était la Télate. Je suis presque sûr que c'était Akolo. Je te dis, j'ai vu le numéro du maillot. Ah, c'était le numéro de ballon. Alors, j'ai rien à dire. Donc ça va être et récupération de balle de la part de Kuteza. Incroyable, on est dans du 5-5. Patrick Fluquet sur le côté gauche, face à lui Sterdjou, est-ce qu'il va réussir son duel? Il revient sur Kuteza. Kuteza, on n'a pas cette interceptée, il garde le ballon. Il peut servir Doulin, Doulin qui a le passage libre devant lui. Ah, il aurait dû tirer, mais il trouve Cogna libre sur le côté droit. Ça va être un centre à rater. Et ah, Fofana a raté la balle. C'est tellement dommage parce qu'il a une belle occasion s'il arrivait à contrôler ce ballon. Ça s'est joué à peu de choses, mais il a effectivement pas réussi. Alors que Atiti, il dégage la balle très loin en direction de la Télate. Rouillé lui grimpe sur le dos pour dégager. Les Saint-Gallois restent en possession de la balle. Ils tentent de servir Guindo sur le côté gauche. Guindo va pouvoir empêcher la sortie de justesse. Il se présente face à Moussa Diallo qui est bien placé cette fois-ci. Mais le 1-2 avec la Télate obtient une sortie de but en faveur des Genevois. Heureusement qu'il y a des problèmes techniques des deux côtés. Heureusement parce que là c'était très dangereux. Diallo qui avait perdu deux fois son attaquant. Et toujours sur ce côté gauche Sangola, enfin ce côté droit Servetien où il y a beaucoup de lacunes cet après-midi. On verra comment ça évolue au cours du temps. Mais pour l'instant c'est Sangel qui montre un meilleur visage, même si c'est pas totalement réussi, il n'y a pas vraiment d'occasion, mais en tout cas c'est eux qui ont les offensives. Ça va être pour Diallo, Diallo qui peut s'avancer, qui va la perdre face à Quintilla, c'est récupéré et ça va être pour Stevanovic qui va pouvoir arriver juste avant la ligne de sortie. Ça va être le centre de Stevanovic, attention qui passe tout le monde. Écoutez, ça qui n'arrive pas à connecter ce ballon des quelques centimètres. Fluquet qui arrive à la récupérer avant la sortie du terrain. Ça va être pour Clichy, Clichy qui tire, attention c'est dévié, encore Cogna face à la Télate. Ça va être pour Diallo, Diallo qui essaie de la remettre vite mais qui tombe à terre. Ça va être dégagé pour Quintilla et ça va être pour Royer. Royer qui peut prendre son temps, espérer un peu, attendre un peu pour que la défense angolaise sorte un peu de ses remparts. Et ça va être pour Diallo. Diallo qui met une talonnade pour Fofana. Fofana qui essaie de récupérer face à Sergio. Ça récupère finalement par Cogna. Cogna qui va la remettre à Fofana. Fofana qui la remet à Cogna. Et malheureusement, c'est contré par Maglica. C'est récupéré par Stevanovic. Allez, Servette, on peut le faire. Ça va être pour Cogna. Cogna qui va remettre à Stevanovic le centre. Attention, il hésite. Ça va être finalement pour Diallo. Diallo qui va rater totalement son tir. Voilà, Au moins il a tenté. Hein. Ouais, c'est quand même frustrant d'avoir une longue phase offensive sans aucune tentative de frappe. Mais est-ce alors, qu'on peut dire que c'était un peu comme un tir de pistolet d'eau ce tir? Alors on peut dire ça si on avait un défi à placer ce mot durant le live. Pas du tout, sinon je pense pas qu'on le dirait, non. Mais voilà, c'est la diversité des opinions, c'est ce qui rend notre scène médiatique aussi riche. Alors que les Saint-Gallois ratent complètement leur relance. Stevanovic qui sert Cogna. Cogna qui avance tout seul, il trouve peut-être Kuteza. Ziki est sorti et puis Kuteza n'a pas réussi à contrôler. Mais Kuteza a toujours la balle, il est en dehors de la surface. Il centre en direction de Cogna. Cogna va-t-il pouvoir tirer? Non, il sert Fofana. Fofana, retour pour Cogna. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui tire à un moment donné. Fluquet qui se retourne, il tire. C'est dévié. Est-ce que Ziki va pouvoir éviter la sortie? C'est effectivement le cas, mais alors... quel raté dans la relance saint-galloise. De quoi leur donner un petit peu des sueurs froides de temps en temps, parce que autant j'adore les phases offensives de Servette, je trouve qu'ils sont extrêmement dangereux. Je suis terrifié par les phases offensives de Saint-Gall. Je pense que c'est parce qu'on est on n'est pas du tout objectif. Parce que là, pour l'instant, ça aide pas. les attaques servettiennes ont été quand même plus dangereuses que les saint-galloises. Par contre, il y en a eu beaucoup plus saint-galloises. C'est qui est inquiétant, surtout ce côté droit servettien qui commence à faire un peu peur, alors que Clichy donne tout de suite ce ballon en profondeur pour Kuteza. Kuteza qui peut avancer face au numéro 4 de Saint-Gall, il n'arrive pas à le dépasser, il la perd malheureusement face à Valci. Valci qui la donne tout de suite à Gertler. Gertler qui met un très long ballon face à Guimeno qui va la récupérer face à Diallo. Diallo qui essaie de revenir, il regarde, il n'y a pas énormément d'options. Guimeno qui va essayer de se défaire de Diallo, il y arrive à moitié, il va centrer, c'est finalement corner pour Saint-Gall.
Toujours un peu du mal. Dites-moi si vous m'entendez bien maintenant avec, avec ce son. Sinon, je le montrerai encore un peu. Et le corner qui sera tiré par les Saint-Gallois dans un secteur du terrain qui est jonché d'avions en papier faits à partir des flyers. Hein. Non, mais il y a au moins une vingtaine d'avions en papier qui jonchent le sol à peu près où Quintilla va tirer ce corner. S'il glisse sur un avion en papier, je pense que ça devient cocasse, mais je crois qu'il a fait le nécessaire. Oui. Quintilla qui va maintenant s'élancer, tirer ce corner et ça redescend sur la tête de Maglica. C'était... Je ne sais pas quel joueur le pressait, mais alors il était très disponible, Maglica. J'ai presque l'impression que c'était Diallo, mais je préfère... Je crois que c'était Bouillot aussi. Ça m'étonnerait pas. Il me semble que Diallo était au niveau du poteau. Mais en tout cas, la tête était complètement ratée, à l'instar de la frappe de la Télate dans les premières minutes. Mais là encore, avertissement sans frais. Les deux équipes jouent un peu à jeu égal offensivement. Hein. Je vois les défenses un petit peu désemparées par l'efficacité des plans d'attaque, mais pour le moment là c'est la relance Servetienne qui est ratée avec Guimeno qui a tenté de servir la Télate et le dégagement atterrit sur Görtler qui se dégage, Guimeno qui peut tirer, c'est beaucoup trop haut pour inquiéter alors que la section Grenat incroyable qui est en train de mettre une ambiance de fou dans le secteur visiteur malgré le côté tellement disproportionné de l'affluence du public saint-gallois face aux Genevois. Ces supporters Grenat sont vraiment immarcessibles. J'ai essayé, j'ai raté, c'est pas grave. Mais voilà, ça fait partie du challenge. Alors que les Servetiens arrivent à avancer sur le côté gauche. Malheureusement, Kuteza qui perd son duel face, il me semble que c'était Valci. Les Saint-Gallois qui ont de la peine à avancer. Fluquet arrive à récupérer le ballon et le rend en direction de Kuteza. On peut repartir de là où on s'était arrêté avant. Gaël Clichy qui s'avance, il centre très loin, il essaie de trouver Sternovic, mais c'était un peu trop ambitieux. Parce qu'il était vraiment tout seul, alors qu'on se reçoit de la fumée de cigare actuellement de la part de nos collègues. Et ça va être pour Ziggy finalement qui va pouvoir la donner tout de suite à Starjo. Starjo qui va pouvoir s'avancer, il n'y a pas trop de pressing, on l'attend. Le pressing Servetien est très très bas. Ça va être pour Guimeno. Guimeno qui se retrouve au milieu de terrain face à Adeline. Il y a la faute d'Adeline, mais il laisse l'avantage. La passe en profondeur pour la Télate. Attention avec Frick. Et on réclame un penalty sur une poussette de la part de Bouillot. L'arbitre qui a tout de suite levé le doigt en disant non. J'ai vu que ce n'était pas une faute. Ouais. Ça me semble juste, hein, mais voilà, le public Saint-Gallois. Là par contre il y a faute. Ouais. Merci, et c'est peut-être même carton. Il essaie de la jouer vite Diallo alors que M. Sain va totalement l'empêcher. Mais pour moi, il y avait presque carton. Alors que je vois Zeidler demander au quatrième arbitre de faire recours à la VAR. En tout cas, s'il y a vraiment faute, c'est carton pour les deux ou pas? Enfin, c'est carton pour Zeidler et pour le défenseur saint-gallois. Alors, le Kibun Park ne nous a pas habitués à l'égalité de traitement entre les Grenats et l'équipe adverse. Et on confirme que le son, ça va. Ok, c'est magnifique alors. Tenez-nous au courant si jamais il faut qu'on règle un peu ça. C'est vrai que nous, on a notre retour, mais on n'a pas vraiment un retour sur le live sur le moment, sachant qu'on est deux et qu'il n'y a pas de technicien, enfin de troisième personne qui vient. Donc ça va être pour Stevanovic sur le côté droit. C'est récupéré, Diallo qui essaie de mettre alors qu'il y a une faute peut-être de Konya sur Quintilla, qui m'étonne quand même beaucoup, mais peut-être une main qui a laissé un peu C'est moi où il y a une annonce d'avertissement pour Guindo. Alors effectivement, il y a un carton jaune pour Guindo, sûrement sur la faute de Stevanovic. Monsieur San m'a écouté, m'a entendu. Donc, C'était certainement ça. Oui, je pense, hein, on n'entend pas assez de bruit ici. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que la section Grenat, on l'entend très bien par rapport à d'habitude et par rapport au fait qu'il y a quand même beaucoup plus de Saint-Gallois et que le COP Saint-Gallois est beaucoup plus présent en termes de nombre. On les entend quand même vachement, les Servetiens, et ça fait extrêmement plaisir. On voit aussi à quel point ça fait la différence d'avoir une bonne série de victoires dans l'ambiance des fans, alors que Cogna a raté sa passe en retrait. Mais heureusement, Doulin était très attentif et a pu récupérer la balle immédiatement pour servir Stevanovic. Est-ce qu'il va réussir à avoir la balle? Non, c'est Atitigi qui va pouvoir capter cette balle à l'oreille des 16 mètres. Et c'est Guindo qui relance les affaires de son équipe avec Akolo pour... pour Schmitt, et la Télate n'a pas pu intercepter cette balle. Partie de Fluquet qui sert Kuteza, c'est magnifique. Kuteza qui avance, il trouve Fofana sur le côté gauche. Est-ce que Fofana va pouvoir gagner son duel? Oui, il entend la surface. Ah, malheureusement, il se fait déposséder la balle et les Saint-Gallois dégagent juste devant Kuteza. Ah, on était
pas loin d'un petit slalom entre deux défenseurs de la part de Boubacar Fofana. Il a pas raté son contrôle, hein, sincèrement, mais c'est dommage. Mais il l'a tenté. C'est l'important. Je pense que c'est bien de pas prendre trop de risques et puis de passer en arrière si les autres solutions sont trop compliquées. Mais parfois, il faut aussi se lancer un petit peu en avant. Et puis, c'est l'avantage de joueurs comme Boubacar Fofana. Alors que Vouillot, juste avant de se faire déposséder de la balle, sert de l'autre côté. Gaël Clichy qui essaye de trouver Stevanovic. Il a glissé au moment de son envoi, mais il arrive à trouver l'ailier Servetien alors que Cogna entre la surface pour centrer immédiatement. Et ce sera, j'arrive pas à voir qui c'est, mais ce sera dégagé immédiatement en touche. Ça va être Diallo pour Stevanovic. Stevanovic qui la remet tout de suite à Diallo. Il y a un énorme pressing de la part de Saint-Gaulin. On essaie de revenir en arrière. La passe en profondeur pour Stevanovic. Stevanovic qui arrive à passer sur le coin de corner. Le centre s'est dévié et c'est sorti ce ballon. Ça va être corner. Ziggy qui a essayé de récupérer ce ballon avant qu'il sorte en corner. Mais ça va être heureusement corner pour Servette. Donc tu peux un peu nous parler des stats sur corner vu que tu faisais les études. Oui, alors je suis allé examiner un petit peu les statistiques de corner parce que Servette, je crois que c'est la deuxième équipe de la Ligue ex aequo à avoir le plus de corners obtenus. Puis je suis allé voir un petit peu combien de corners étaient transformés depuis le début de la saison. Je vous en parlerai après le tir du corner, mais c'est effectivement pas le genre de coup de pied arrêté qui donne beaucoup de buts. Alors que Cogna s'élance, tire ce corner et Nicolas Vouillot a essayé d'avoir cette balle le plus vite possible. Mais c'est Latte qui maintenant s'élance et Gaël Clichy arrive à s'interposer juste à excellent temps. Excellent tacle. Magnifique tacle, pas de faute, aucune cherchée. Ah non, c'était Akolo qui sprintait, mais Clichy, qui normalement joue sur l'autre côté, a réussi à faire le job. Alors que là, on prend notre temps. Mais effectivement, là, il y a une équipe qui n'a encore jamais marqué sur corner cette saison, c'est Winterthur. Mais il me semble que l'équipe à en avoir marqué le plus de buts sur corner, c'est, je ne sais plus quelle équipe c'est, mais c'est 4. Et ce qui est intéressant, c'est le nombre de buts marqués qui viennent de corner. Et puis Servette, je crois, la deuxième équipe a bénéficié du plus de buts marqués sur corner dans l'entier de ses réussites. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il repose beaucoup sur cette stratégie, alors que pourtant, il y en a beaucoup de corners à Servette et il y en a beaucoup qui donnent rien. Mais en tout cas, le ratio est plus favorable que pour d'autres équipes. Alors que Saint-Gall essaie de trouver des places, essaie de trouver des déplacements et des positions pour pouvoir avancer et que leur défense est presque à trois quarts des terrains servettiens, ça va être pour Starjor qui arrive à s'avancer, qui se retrouve à 30 mètres, ça va être pour Valti sur le côté droit pour Gördler qui revient face à Dolin qui n'arrive pas à se défaire de Gördler et c'est heureusement arrêté, le centre a été arrêté par Frick, ça va être une sortie. Pour Servette, il voit tout de suite Clichy qui peut s'avancer. Il y a énormément de possibilités parce qu'ils étaient vraiment très très bons les joueurs de Saint-Gall. Ça va être pour Fofana. Fofana malheureusement est hors jeu et ça va donner la possibilité à Obrador de se remettre en place. C'était assez impressionnant parce que cette équipe-là de Saint-Gall avec leurs défenseurs qui avaient dépassé le milieu de terrain, ça montrait bien l'offensivité de cette équipe hein. Sur le moment ça aurait pu être très dangereux, heureusement que la défense servettienne était là, heureusement que Frick est dans un très bon moment avec, on l'avait regardé avant d'arriver au stade avec 5 clean sheets si je ne me trompe pas contre 2 clean sheets de Ziggy, donc c'est un très bon début de saison dont je crois la saison passée ils n'avaient réussi que 2 clean sheets Frick, ça va être pour Cognac qui arrive à récupérer ce ballon pour Deligne pour Diallo sur le côté droit alors qu'un joueur reste à terre, ça va être pour Fofana qui peut s'avancer face aux deux défenseurs alors qu'il y a encore en jeu, il faut vraiment qu'il fasse attention à Fofana et on va revenir sûrement sur Schmidt qui est par terre et qui a l'air d'avoir très très mal au niveau de la jambe, au niveau de la cheville peut-être, du pied, j'arrive pas à savoir. Ouais, on dirait plutôt le mollet, ouais. Visiblement. Je ne sais pas si c'est un coup encore, en tout cas les soigneurs ne sont pas entrés sur le terrain. Monsieur San les invite à entrer à l'instant même, ce qui va permettre à quelques joueurs grenades de pouvoir boire un petit coup au bord du terrain. D'ailleurs j'ai observé tout à l'heure lors d'une je ne vais pas dire une mêlée, mais disons qu'il y avait plusieurs joueurs dans un tout petit espace en train d'essayer de se passer la balle ou respectivement d'intercepter. Tout ça se déroulait juste sous les yeux d'Alain Geiger, qui était franc-fou en train de donner des instructions à ses joueurs, dépassant même limite sa zone technique. Je m'attendais presque à ce qu'il rentre sur le terrain et il leur montre comment faire. Il vit énormément les matchs, je crois, Alain Geiger. Puis je crois qu'il s'est accordé avec Peter Zeidler sur la couleur du haut, parce que là, on est dans un bleu marine très, très élégant. Le polo chez Peter Zeidler et le pull sur la chemise blanche d'Alain Geiger. Voilà, on inscrira ça au défilé de mode de la Super League.
certainement pour les prix du sport pour 2022. Alors que j'apprends que Grasshopper a ouvert le score contre leurs grands rivaux du Letzigrund, le FC Zurich. Alors cette saison qui continue de virer à la catastrophe pour les champions en titre, hein. Vraiment cauchemardesque. 6 défaites, 6 nuls, 0 victoire, c'est vraiment très calamiteux. Dur. On a de la peine quand même pour les tenants du titre, ça fait mal à voir. En tout cas, pour le moment, c'est leur colocataire du Letzigrund qui prennent l'avantage par Chetin. Ça va être pour Maglica qui va pouvoir lancer ce long ballon pour Akolo. Akolo face à Diallo, c'est Diallo qui gagne le duel. Ça va être pour Stevanovic qui dégage ce ballon tout de suite. Ça va être touche pour Sangal qui va être effectué par Guindo qui va servir Schmidt. Finalement Akolo, ça va encore récupérer par Diallo. C'est faute sur Diallo. Très bien joué de la part de Diallo qui a récupéré cette faute pour permettre à Servette de respirer, de pouvoir repartir vers l'attaque. Alors que là, on nous annonce le but de... des Grasshoppers dans les grands écrans. Une victoire qui pour l'instant n'arrange pas les services des Servette qui se retrouveraient, qui doit vraiment gagner, qui est poussé vraiment à gagner si elle veut garder cette deuxième place et garder son avance sur ceux qui arrivent derrière lui. Et encore une erreur de la part de Sangal, de la part de Schmidt, et ça va être touche pour Diallo. Diallo qui va la donner à Konya qui la remet tout de suite pour Stamavic. On essaye une deux mais c'est pas réussi et ça va être finalement touche pour Sangal. Ça va être effectivement qui a un double avantage à essayer d'emporter les trois points ce soir, c'est d'une part de rester au contact du leader mais aussi de maintenir ses poursuivants à distance. Servette a tout à fait intérêt à ce que la suite de cette saison se transforme en course entre les joueurs de la capitale et eux-mêmes. Alors qu'ici une passe très très bien vue en direction de Latelate lui permet de garder le ballon et incroyable, Latelate qui s'est débattu face à 3 voire 4 joueurs. Alors qu'on sait que c'est un des joueurs qui subit le plus de fautes de toute la ligue, ça aurait été extrêmement dangereux pour un pénalty. Alors les jeunes ont joué intelligemment, mais bien évidemment ça a donné l'opportunité à Latelate de faire une passe en direction de Schmidt qui heureusement a complètement raté son envoi. Pour moi c'était sorti de but, hein, sincèrement. Enfin, pour moi ça avait été juste le tir dévié de. Enfin le tir de Schmidt qui était moi sorti. Moi aussi, mais visiblement était dévié. Ouais. Heureusement d'ailleurs. Alors que ce corner est tiré par Quintilla, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'atterrissage? Non. Faute non, il y a même une bousculade de Latelate sur Clichy qui viennent se saluer. Hein. Pas de rancune, mais effectivement, je pense un peu de respect entre deux joueurs qui. Pour Gaël Clichy ont une expérience et une renommée certaine, et puis pour Latelate qui explose les compteurs de la Super League, on a quand même des joueurs avec de grandes qualités sur le terrain. On en a parlé un petit peu au début quand on avait une séquence de jeu aérien, la balle ne touchait pas le sol. Je rappelle juste que les trois joueurs qui remportent le plus de duels aériens se trouvent dans les deux équipes. Il s'agit de Maglica qui a réussi 40 duels au sol, duels aériens avant le début de cette partie. Les deuxième et troisième sont respectivement Vouillot 36 et Rodelin 34. Alors pas de Rodelin sur le terrain ce soir, mais un Nicolas Vouillot qui je pense a déjà eu l'occasion de montrer à quel point il maîtrisait son jeu de tête. Alors que Gaël Clichy sert en direction de Koutesa dans la surface qui arrive à prolonger. Oh mon dieu, incroyable, il a réussi à récupérer cette balle alors que Tigui était sorti. Alors c'était beaucoup trop croisé et puis la balle a longé le but de... On a même les ralentis sur l'écran certains. Du Kibun Park. Alors certains, ok, effectivement. On les a pas tous. Là, on a le petit jeu incroyable. C'était sorti par Stevanovic. C'était dévié par Stevanovic. Merci, dévié par Stevanovic. Incroyable. Mais voilà, alors on a une belle opportunité de Koutesa. Malheureusement, la frappe n'est pas cadrée. Et Patrick Fluquet n'a pas réussi à renvoyer loin devant lui, ce qui permet aux Saint-Gallois d'avancer sur le côté droit. Il me semble que c'est Görtler. Görtler qui cherche des solutions, il en trouve une avec Guimeno. Guimeno qui est dans la surface mais il revient avec Görtler. Görtler qui trouve Valci qui centre. Ah, et Akolo s'était lancé en l'air mais du coup il n'y a personne pour Guindo. Guindo qui centre et il n'y avait personne sur la trajectoire. C'était pas très précis ces centres mais il s'en faut toujours de peu pour que ça crée des dangers devant les cages. Alors on score toujours nul les Vierges. Mais alors quel danger offensif les deux équipes produisent pour leurs adversaires. C'est vraiment c'est la seule chose qui manque à cette partie, c'est un but. J'espère du côté Servette.
on espère. Mais pour l'instant, oui, c'est en tout cas au niveau de jeu, c'est passionnant. Il y a beaucoup d'actions offensives. On attend de voir s'il y aura peut-être un but avant la pause. Mais en tout cas, c'est Saint-Gall pour l'instant qui tient, qui domine ce ballon. Attention avec le pied trop levé de la part de Lille, ça récupère par Gödler. Gödler qui arrive à s'avancer. Presque faute de Lille, la passe en profondeur pour Guimeno. Guimeno sur le côté droit qui va pouvoir centrer. C'est dégagé par Oyer sur Fofana. Fofana qui arrive. Pour moi, il a un peu exagéré, mais c'est très bien de jouer sa part. Oui, je me suis dit, franchement, il pourrait il a plongé comme jamais. Il pourrait passer son été à faire du saut en longueur aux Jeux Olympiques. Mais effectivement, il y avait une poussette au départ de l'action, même si la fin était un peu trop spectaculaire. Je me permets de mentionner qu'au niveau des statistiques de cette rencontre, Servette en est à 8 tirs au but, donc 4 bloqués et 2 arrêtés par Tigui, seulement 2 qui ne sont pas cadrés, alors que Saint-Gall n'en est qu'à 4 tirs, donc 3 non cadrés et 1 bloqué. Donc Jérémy Frick pas très sollicité durant cette rencontre. Et puis l'attaque servetienne quand même plus prolifique que les Saint-Gallois, même si dans la dynamique du jeu, on sent que le danger est à peu près équivalent. Oui, on attend de voir qu'est-ce que ça donne les attaques saint-galloises, alors que sur ce côté droit, ça continue d'être une faiblesse du côté servetien. Mais ça va être pour Maglica. Maglica qui peut s'avancer jusqu'au milieu de terrain, même dépasser le milieu de terrain. La talonnade de la Telade pour Akolo. Akolo qui tire tout de suite. Qui avait vu une mauvaise position Frick et qui a tenté sa chance. C'était pas du tout mal tenté parce que je crois qu'il avait passé un peu loin, mais je pense qu'elle était très très bien placée. En tout cas, elle était très forte, donc ça aurait pu donner un très joli but. Heureusement, c'est pas le cas pour les Servettiens. Ça va être pour Vuillot qui la remet tout de suite à Diallo. C'est passe très proche avec le pressing Saint-Gola, c'est pas une très bonne idée. Ça va être la passe en profondeur directement pour j'oublie toujours son nom, le numéro 19 Guindo, ça va être pour Stevanovic pour Konya qui change de côté pour Koutessa qui fait un magnifique contrôle pour Clichy sur le côté gauche qui va pouvoir s'avancer, qui fait la feinte, qui prend Gödler, ça va être pour Koutessa qui la donne au milieu de terrain pour Flouquet, la passe pour Koutessa, attention le tir, oh ça passe juste à côté, la claquette encore une fois de Ziggy, oh. C'est pas possible. On veut un but. Cette action était magnifique, là là. J'ai rarement vu une telle combinaison de passes c'est côté beau. Grenat. Ça, tout, c'est Servette. Tout est là pour que les Genevois prennent les devants dans cette partie. Et peut-être oh là là. Que ce corner va permettre de confirmer cette belle phase offensive. Servette, effectivement, s'en sort très bien. On mérite un but. Servette mérite un but. C'est Saint-Gall aussi, ce ne serait pas immérité. Mais là, Cogna s'élance et la balle retombe sur un Saint-Gallois. Mais il n'y a que des Genevois pour récupérer. Alors, c'est Fofana qui est loin derrière pour récupérer la balle. Il sert Gaël Clichy qui va devoir reconstruire l'action à zéro. Il trouve Patrick Fluquet devant lui qui centre très loin en direction de Nicolas Vuillot. Vuillot pour Stevanovic. Stevanovic qui va trouver Cogna sur le côté droit. Et Stevanovic va-t-il centrer là. Immédiatement oh, il crochette, il élimine son adversaire. Il peut centrer maintenant. Ça tombe sur Fofana qui est tout seul. Une frappe. Et c'est un arrêt de Ziggy. Et c'est oh un but de Koutessa. But yes de Koutessa. Enfin, ces efforts offensifs qui payent. Servette qui ouvre la marque de manière complètement méritée. Et mon Dieu, que ça défoule cette réussite de Koutessa. Incroyable. Oh, qu'est-ce que c'est soulageant. Nous jouons la 41e minute et c'est 1-0 pour Servette. Maintenant, il faut tenir. Faut pas faire comme d'habitude. Maintenant, il faut tenir. Il faut pas faire comme avec Etse où on met un doublé et ensuite on s'en prend deux. Quel but! C'est un très joli but. Incroyable. La construction offensive des Servettes aujourd'hui, elle est magnifique. Elle est magnifique, vraiment, je trouve incroyable. Et visiblement, le Kibunbach ne disposait pas de photo de Derek Koutessa. Donc, on a Monsieur Lambda qui est affiché à côté de son nom et de son numéro. ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai que Koutessa est un transfert récent. Il est arrivé en septembre. ça fait 3 mois. Ouais, ça fait 3 mois. Qui vient d'arriver, alors la faute sur... Faute de la part de Stevanovic sur Guimeno. Mais Ziggy, il faut qu'on en parle, quel gardien. Oui, incroyable. Hein, il a retardé l'échéance pour son équipe à plusieurs reprises. Alors que Jérémy Frick, il a probablement quelques sueurs froides, mais il doit très peu intervenir. Sauf ici. Ouh là là Jérémy. Là où Schmidt a failli marquer directement depuis le milieu de terrain par une frappe qui était alors complètement hors de la portée de Frick, mais on était presque dans du Rodelin. Heureusement, c'était hors cadre. Ouais, là on a eu, un petit peu peur de voir notre. Loin, hein. On aimerait savourer notre plaisir un petit peu plus longtemps, messieurs jusqu'à les Brodeurs. La mi-temps, voire plus jusqu'à la fin du match. Voilà, si possible. S'il vous plaît. Alors que Jérémy Frick va pouvoir dégager très loin cette balle, on s'approche de la mi-temps. Une partie qui reste malgré tout très équilibrée, même s'il a avantage pour les Grenats, alors que Schmidt s'écroule une fois de plus au sol. Je précise que le jaune qui était annoncé pour Schmidt tout à l'heure était bel et bien une erreur de la part de.
des annonceurs du stade. Beaucoup d'erreurs, hein. Pas de photo pour Kuteza, le jaune pour Schmidt. Voilà. J'ai oublié la définition. Pardon ? Est-ce qu'on peut dire que c'était un cryptogramme ? Ça, oui, ils essayent de nous communiquer quelque chose. Alors que Guindo rend direction Görtler. Görtler qui n'a pas beaucoup de solutions. Hein. Il trouve derrière lui, je crois que c'est Quintilla. C'est effectivement Quintilla. Quintilla, hein, le pressing servetien est très bon. Même si là, ouais, c'est intéressant. En phase défensive, c'est Stevanovic qui prend la place de Diallo, qui lui vient renforcer la défense centrale. Intéressant c'est comme schéma défensif. Hein, regarde, il y a trois attaquants Sangaloa. Donc il faut que chacun prenne un Sangaloa et il reste Guindo de ce côté-là. Bah, peut-être qu'il s'en était pas rendu compte au début du match, alors que là, Görtler a l'opportunité de tirer directement. Et c'est Frick qui peut faire, je crois, son premier arrêt de la rencontre. Frick qui a capté le ballon, mais il a atterri en dépassant la ligne. Alors que je crois que Valci veut tirer ce corner extrêmement vite, mais il y avait trop d'avions en papier. Heureusement, hein, d'ailleurs. Et Thomas qui nous dit qu'on entend vachement la section Grenat, et ben il y a de quoi. Hein. C'est un très bon début de match, alors que Fofana dégage cette balle sur Cogna qui peut la projeter plus en direction de Schmidt. Ah, c'est dommage. Ah, Fluquet a failli intercepter cette balle. Et ça va être pour Estarjo. Estarjo qui va s'avancer avec Guindo. Guindo sur le côté gauche qui la remet tout de suite à Colo qui va prendre de vitesse. C'est Latelate, pardon. Qui va prendre de vitesse Diallo. Diallo qui arrive à s'en remettre. Ça va être pour Latelate. Latelate qui met en profondeur pour Schmidt. Dans la surface, la faute de Guindo sur Schmidt. Schmidt est beaucoup par terre ces temps-ci. Hein. Et ça va être pour Vuillot. Vuillot sur le côté droit, presque comme défenseur droit pour Cogna. Cogna qui fait un joli contrôle de l'épaule pour Kuteza. Kuteza qui a beaucoup de place face à Valci. Valci qui fait faute tout de suite sur Kuteza. Bien joué de Kuteza. Et c'est le premier jaune. Pour le premier carton jaune de la partie. C'est Valci. Pour Valci. Attention, j'espère que Kuteza ne va pas se blesser lui. Qui Le choc était violent, hein, mais il n'avait pas l'air dangereux. Donc je pense qu'il est un petit peu sonné. Il faut lui laisser le temps de se... Mais il relever. A quand même quelques soucis au niveau des genoux, donc c'est... je pense que c'est... Ouais, t'as raison, c'est plus le choc qu'autre chose. On va en profiter peut-être pour répondre à quelques questions, parce que quelqu'un a posé la question. On peut regarder le match sur un site. Alors certainement, c'est des sites qui proposent des abonnements payants, dont Blue Sport par exemple, Blue TV. Mais nous n'avons pas le droit de diffuser ces images. Puis on je crois bien. Que voilà, si vous voyez des images diffusées gratuitement et que c'est pas la RTS, alors c'est probablement illégal. Voilà, Radio Lac, je vous rappelle, ne diffuse pas d'images. Je vais noter la minute quand même. Ah oui, j'ai oublié moi. Mais en tout cas, gardez notre voix si vous nous appréciez. Alors le coup franc de Flouquet qui arrive très dangereux dans la surface. La Telade qui n'arrive pas à dégager sur le côté droit pour Estevanovic qui sent tout de suite. Attention avec Bouillot. Non, ça va être finalement Kuteza qui va remettre en arrière. À la sortie de la surface, ça va être pour Cogna. Cogna qui remet à Flouquet sur le côté gauche. Il va centrer tout de suite. Attention, la transversale, ça va être finalement pour Akolo. Akolo face à Clichy. Clichy qui arrive à gagner, mais ça va être pour Schmidt. Et Schmidt qui met en profondeur avec une talonnade pour Akolo. Akolo qui remet à Schmidt. Ça récupéré par Doulny et par Clichy. Quel travail défensif de Clichy aujourd'hui. Attention, ça va être pour Stevanovic en profondeur qui a le temps de centrer. Attention, juste devant, ça va être pour Estarjou. Et ça va être encore corner. Une équipe qui est. J'ai pas eu le temps de voir le temps additionnel annoncé. Je l'ai pas vu non plus, sincèrement. On a raté cette information. Toutes nos excuses. Heureusement, vous voyez à l'écran le temps qui est dépassé. On est déjà à une minute de temps additionnel, à mon avis. On voit à quel point le match est prenant, hein, et passionnant. Ce corner a de bonnes chances d'être la dernière occasion de la mi-temps. Ziggy, il faut qu'on en parle, quel gardien vraiment sous-estimé. Non, je pense que ses qualités sont très attention connues. Alors que Cogna tient ce corner. La tête de Bouillot. Oh, rouillé. Oh, la claquette de Ziggy. Mais c'est pas vrai. Mais c'est il y avait faute. Il y avait faute. Il y avait faute. Mais les réflexes de Ziggy, incroyable. C'est vraiment un gardien excellent. Malheureusement, il a une assez mauvaise défense, hein, cette première partie de saison. Alors que l'arbitre siffle le thé. Je vais interrompre le chronomètre. Juan, mais quelle première mi-temps passionnante. Ça aurait pu basculer dans les deux sens. Et pour l'instant, heureusement, Servette est en train de remporter la partie. On attend la deuxième mi-temps pour voir quelle va être la dynamique de ce match. Surtout sachant que l'attaque Saint-Gaulois aura son cop derrière les cages de Frick pour la deuxième mi-temps. Mais en tout cas, Servette qui a montré un très bon jeu, qui a monté une attaque offensive impressionnante avec beaucoup de combinaisons, avec beaucoup de lucidité, avec énormément de combinaisons qu'on n'avait pas vu jusqu'ici, beaucoup de vitesse, beaucoup de pied au ballon, enfin de ballon au pied, et c'est pour l'instant c'est très encourageant. J'espère que pour la deuxième mi-temps ça sera pareil, et sincèrement c'est très satisfaisant ce match pour l'instant. Un Servette qu'on a rarement vu cette début de saison, un Servette qui joue très bien. Servette devrait mener
3-0, en tout cas 3-1, si on veut donner un but à Saint-Gall. Mais il y a eu des parades exceptionnelles de la part de Ziggy, qui a fait énormément de travail pour que le score reste à 1-0. Les actions les plus nettes ont été pour Servette, mais je crois que dans le jeu, il y a quand même un certain équilibre entre les deux. Alors que je suis désolé, je te coupe, mais il y a Alexis Antounès qui est en tribune principale ici et qui est en train de faire des photos avec les supporters servettiens. On va en profiter pour en faire une avec lui et on vous retrouve après la pause. Mesdames et messieurs, dans une dizaine de minutes, nous reprenons le live pour la deuxième mi-temps de cette rencontre entre Saint-Gall et Servette. Les Genevois ont l'avantage et on espère qu'ils le gardent jusqu'à la fin de la rencontre. A tout à l'heure. A toutes.
Et bienvenue, mesdames et messieurs, pour le début à venir très prochainement de la deuxième mi-temps de cette rencontre entre Saint-Gall et Servette. L'avantage aux Genevois pour le moment avec cette réussite extrêmement soulageante, même si ce n'était pas un but absolument magnifique, mais extrêmement soulageante de la part de Derek Kuteza juste avant le T. Comment tu le sens pour le reste de ce match, Juan? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, enfin par message sur WhatsApp, je suis en train de souffrir un peu. c'est un très bon match. Pour moi, c'est un des meilleurs matchs servettiens qu'on a vu jusqu'à maintenant, en tout cas côté offensif. Côté défensif, on peut faire un peu mieux. Nettement mais pour mieux l'instant, même. Ça tient la route. On espère que ça tient jusqu'à la fin du match. Mais pour l'instant, c'est un match qui va dans tous les sens, un match très rapide. Qui donnent des attaques des deux côtés, alors que nous avons ici à côté ceux qui viennent regarder le travail des arbitres. Les évaluateurs. Les évaluateurs, pardon. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on va voir une Saint-Gall qui voudra égaliser, voire gagner ce match, qui aura en plus de son côté le COP des Brothers, qui va être là, qui sera à chaque attaque en train de motiver ses joueurs. Ça va être une deuxième mi-temps, rien n'est dit pour moi sincèrement jusqu'à là. C'est un très beau match. Servette mérite totalement pour moi de marquer en tout cas un but, minimum un but, parce que pour moi on devrait être 2-0, peut-être comme j'ai dit 3-1, parce que c'est vrai que Saint-Gall a montré aussi beaucoup de, enfin s'est créé beaucoup d'occasions. On attend de voir la suite. Je ne sais pas, qu'est-ce que toi t'en penses Je pense que. Alors, on a une question intéressante déjà. Je te proposerai d'y répondre. On peut regarder aussi le après, match, mais... c'est ça la question? Non, alors, c'est, il faut regarder la description du live. On l'a mis dedans cette fois-ci, ça devrait être clair pour tout le monde. On n'a pas les droits pour diffuser les images du match. On va mettre un compteur, je pense. Malheureusement, ça nous est arrivé une fois. C'était pour un match amical, donc il n'y avait pas de compétition professionnelle pour laquelle il fallait acheter des droits. Mais du coup, le match contre West Ham, on avait pu le diffuser. Puis on avait eu, je crois, plus de 400 spectateurs durant ce match-là. C'était incroyable. Et puis on peut le comprendre. On préfère voir ce qu'il y a sur le terrain. Mais quand on ne peut pas le faire parce que ça coûte une blinde, ben nous, on vous propose le meilleur équivalent. Alors pas nos beaux visages, mais disons un commentaire en direct que vous n'avez pas forcément l'occasion d'avoir pour tous les matchs ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, Fluquet en numéro 10. On nous demande ce qu'on en pense. Quel plaisir. Je trouve que c'est il joue même mieux qu'en ailier. Je trouve qu'avec Kuteza et Fluquet dans cette disposition-là, mais ça donne une dynamique offensive qui est extrêmement intéressante. Alors après, il faut parfois affiner un peu les réglages. Il y a peut-être quelques imprécisions dans les passes entre Fluquet et Kuteza, etc. Mais c'était déjà le cas entre Antunes et Kuteza. Donc c'est juste une question de bien communiquer sur à quel moment ils engagent des schémas tactiques particuliers. Mais sinon, je trouve extrêmement positif sa présence à cette position, plutôt que sur l'aile, où du coup Kuteza lui peut briller de mille feux avec sa puissance physique. C'est incroyable. Il a obtenu, le seul avertissement du match. Il a marqué le seul but. Le nombre de fois qu'il s'est infiltré dans la surface de manière extrêmement dangereuse. Je pense qu'il n'y a aucun joueur aujourd'hui qui est invisible côté Grenaille. Il y en a un en revanche qui est visible pour de mauvaises raisons. C'est Moussa Diallo, et puis je dis malheureusement parce que moi j'aime beaucoup ce joueur, mais j'ai vu un échauffement de à la pause un petit peu plus intensif de la part de Moritz Bauer, donc je le surveille de près pour voir s'il va enlever son chasuble. Ça semble pas être le cas, mais ça m'étonnerait pas qu'on le voit faire une apparition sur le terrain en cours de rencontre, mais ça reste cool. Super, merci beaucoup Loïc. Mais pour sa défense, Apéro. Je trouve que il s'est énormément amélioré vers la fin de la première mi-temps, où il y avait beaucoup moins de place du côté droit servettien. Donc c'est vrai qu'au début c'était un peu catastrophique, on va être honnête, parce qu'il y avait énormément trop de place, il y avait sincèrement beaucoup trop de place. Mais en tout cas à la fin de la première mi-temps, ça allait, il était présent, en tout cas il venait défendre, il venait faire le pressing. Donc alors, nous avons un changement. S'il recommence tout de suite son match face à deuxième mi-temps comme il avait fini la première mi-temps, c'est encourageant pour cette fin de match. Alors que le numéro 11 Fomos vient de faire son entrée
J'ai pas vu qui est sorti. À la place de Akolo. Fonmos pour Akolo. Donc presque du poste pour poste. Fonmos qui est plutôt, avant-centre, joueur à droite aussi. Officiellement sur le site de la Super League, il est attaquant de pointe, il est avant-centre. Mais en tout cas sur... les statistiques. Alors qu'il y a, quatre joueurs singalois dans le rond central pour cette entrée en jeu. Ils veulent tous marquer, ils veulent tous aller attaquer. Non, ils veulent marquer vite. Ils veulent revenir à égalité le plus vite possible. Il faut que cette défense servétienne tienne le coup les premières minutes. Et on les comprend, après, la victoire leur échappe depuis un certain nombre de matchs. Ils ont l'obligation de devoir rétablir cette situation. Surtout à domicile, avec autant de monde dans le stade. Alors que la partie est lancée et c'est Quintia qui aura la tâche de construire la première action. Il trouve Guindo sur le côté gauche qui est obligé de revenir vers la défense. Mais je pense que ce que tu disais avait un lien avec le fait que peut-être que c'est en cours de première mi-temps que les Grenats se sont rendus compte que l'attaque saint-galloise, c'était vraiment quatre personnes au milieu de la défense centrale. Diallo a été appelé en renfort, Stevanovic a pris sa place et ça a bien aidé le dispositif de placement. Alors que là, on a une tentative complète. Je ne sais même pas ce qu'il essayait de faire, Sterju. Je pense qu'il a centré, mais il a eu peur parce que je crois que ça a coûté ça à 1000 pieds, juste devant la balle. Et en fait, il a juste frappé comme il a pu sans trop mettre le pied. Et du coup, bah, ça a juste fait un tir un peu bizarre alors qu'il essayait de changer de côté, une longue passe transversale. Ça va être pour Frick qui va dégager ce ballon à la recherche de Stevanovic qui se retrouve tout seul. Il a le temps de placer sa tête. Ça va être pour Quintia. Quintia qui peut la donner à Balci, qui va avancer avec Fomos. Fomos face à Clichy. Fomos qui a failli de perdre la balle, mais c'est finalement... une mésentente avec Valti et c'est récupéré par Saint-Gall finalement. Non, ça va être pour Servette. Ça a été touché par Gördler selon l'arbitre de touche. Clichy qui prend son temps, enfin Valti qui part avec le ballon. Je pense qu'il était encore un peu énervé de cette décision arbitrale et ça va être pour Clichy. Clichy qui la remet tout de suite à Fofana qui n'arrive pas à se défaire de Sergio. C'est pour Gördler. Gördler qui essaye la passe directement pour Fonmos qui peut s'avancer au milieu de terrain. Ça va être pour Schmidt. Et Schmidt qui a tout le terrain pour l'entrée de la surface sur le côté gauche pour Kitia. Kitia qui va centrer. Attention avec Frick, la sortie. La claquette et la faute sur Rouillet de la part de Fonmos. C'était déjà très dangereux pour Servette. Il faut qu'il tienne les premières minutes, il faut qu'il joue à fatiguer l'adversaire. Ils ne vont pas pouvoir tenir tout le temps. On connaît, en tout cas, la saison passée, Saint-Gall finissait ses matchs très très fatigués en montrant beaucoup de lacunes. Donc il faut tenir ce match et ses premières offensives de la deuxième mi-temps pour essayer de mettre un deuxième but dans les 30 minutes qui vont rester. Je dirais le minimum, c'est de tenir les 45 prochaines minutes. Mais oui, voilà, volontiers. Ils font de leur mieux. Alors que les Saint-Gallois récupèrent tout de suite la balle à l'atterrissage. C'est sur le côté gauche pour Jérémy Guimeneau qui arrive à trouver la Tella dans la surface qui centre. Et ce sera un dégagement de la part de David Doulin. Corner pour les Saint-Gallois qui mettent alors tout de suite la pression sur la... Ils veulent marquer tout de suite. Ouais, effectivement. Et on a vu Jérémy Frick tarder à faire le dégagement avant. On sent... quelle va être la dynamique de cette rencontre jusqu'au prochain but, en espérant qu'il sera Grenat. Mais c'est vrai que là, on redoute hein, pour les Genevois la mi-temps qui va suivre, car déjà la première n'était pas facile. Alors que le corner est maintenant tiré et ça reste dans la surface de réparation. Guimeneau a vu son tir bloqué. Non. Et le dégagement de Cognac est complètement raté. C'est Valci à la surface, l'entrée de la surface. Guimeneau qui tirait. On allègue une main. Faute. Alors j'ai vu quelques rebonds, j'ai pas l'impression qu'il y a une main là-dedans. Et Diallo peut dégager très loin en direction de Fofana. Mais Atitigi va pouvoir dégager. Et ce sera effectivement le cas malgré le pressing très insistant de Boubacar Fofana. David Doulin qui n'arrive pas à récupérer cette balle au dégagement. Rouillet, oui. Et Clichy. Mais alors le pressing saint-gallois, c'est impressionnant. L'intensité avec laquelle ça joue là depuis le début de cette deuxième mi-temps, c'est effrayant. Par contre, les Saint-Gallois qui essayent de s'accrocher à n'importe quoi, puisqu'ils ont demandé deux mains déjà, alors qu'il n'y avait rien du tout. Leur répond M. San. Ça finalement pour Valci. Valci sur le côté droit, faute de Flouquet sur Valci, et qui va pouvoir remettre en jeu Schmidt qui se démarque tout de suite en vitesse sur le côté droit, mais ça va être pour Sergio. Sergio, le numéro 4, la pépite Saint-Gaulas pour Götler. Götler au milieu de terrain qui va essayer un long ballon face à Clichy et Schmidt. Et Schmidt qui perd face à Clichy, il dégage totalement pour Fofana. C'est un peu la panique actuellement pour Servette, j'ai envie de dire. C'est Quintia qui revient pour Maglica. Maglica qui va la donner tout de suite, qui peut s'avancer, qui continue de s'avancer. La passe en profondeur un peu levée pour Guindo pour Guimeneau, attention, le penalty, la jambe qui traînait un peu de la part de Diallo. Heureusement, il n'a rien sifflé alors que Diallo se plaint de je ne sais pas trop quoi.
parce que pour moi il y avait presque penalty, ouais. Mais c'est sorti finalement au corner. Et pour, c'était à la limite de la surface, donc ça aussi c'est une question. C'est, mais pour moi il y avait faute en tout cas, il y avait une infraction à signaler, donc je ne sais pas trop pourquoi Diallo s'est plaint, peut-être parce qu'il voulait le carton jaune pour Guimeno. Qui sera mérité en cas de trop des corners, c'est Maglicha qui touche ce ballon de la tête, mais il ne fait que en prolonger la trajectoire. La sortie est évitée de justesse par Valci qui arrive à trouver Görtler pour Latelat qui arrive à se battre avec le ballon, il est à l'orée de la surface et il y a beaucoup de tacles de Servetien et au final c'est Jérémy Frick qui peut dégager cette balle et c'était une faute sur Nicolas Bouillot, ça me semble juste. Mais bien évidemment, le public commence à se demander si ça fait un peu trop de situations limites systématiquement arbitrées en faveur des jeunes voix. Pour moi, c'est juste. Hein. On discutait pendant la pause avec les évaluateurs qui se trouvent à notre gauche, qui alors m'ont dit que le but était chanceux et que le but annulé tout à l'heure par la VAR aurait dû être marqué. Mais c'est vrai que voilà, on était caché dans l'angle pour savoir que la main de Frick était sur le ballon. Donc nous, on a aussi cru au but. Mais en ce qui concerne le but de Kuteza, chanceux, c'était quand même Servette qui avait les occasions les plus nettes de la première mi-temps. Oui. Compliqué ce début de mi-temps, exactement. Faut tenir. Le casse du siècle Servette, alors on prie pour. Et Frick qui prend tout son temps pour dégager ce ballon. Ça fait quand même bizarre de voir ça dans l'autre sens pour une fois. Ouais. Alors que Fafana a perdu le duel de la tête, c'est Schmidt qui peut se lancer en avant. Il arrive à se débarrasser de Timothée Cogna. Qui pour lui couper la trajectoire, il n'y aura pas besoin de le faire parce qu'il arrive à trouver Latelat à l'entrée de la surface. Bien joué de Rouillet qui arrive à la belle directement dans les pieds de Derek Kuteza qui court presque seul sur le côté gauche. Est-ce qu'il arrive à trouver Fofana? Il n'y a rien. Il y a peut-être même faute, mais Fofana arrive à tirer cette balle et la petite claquette de Hatitigi. Et visiblement, il n'y avait ni enjeu ni faute. Alors ça me surprend un peu quand même. Pour moi, il y avait faute. Ça je peux l'accepter. Pour moi, il n'y avait pas enjeu, mais il y avait presque faute de la part de Fofana. Par contre, c'est corner maintenant, il faut le profiter. Il faut en profiter de ce corner. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est assez rare que ça va être perdu du temps. Frick n'en perd pas énormément, alors que Görtler vient de manière très colérique parler à l'arbitre San. Il faut qu'il se calme un petit peu. Il va aller l'avertir. Pas de carton pour l'instant. Il va lui dire de se calmer gentiment. Mais c'est vrai que les Sangolas sont un peu stressés, un peu exacerbé, donc on verra comment ça évolue. Et puis Cogna qui prend tout son temps pour enlever les avions en papier sur le terrain. Mais il y a l'arbitre de touche qui est devant, donc il n'a pas le droit de jouer. Le corner est tiré par Timothée Cogna. Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour la récupération? Que des Saint-Gallois. Et c'est Fonmos qui va pouvoir relancer les affaires de son équipe avec Schmidt tout seul. Mais il y a Diallo devant lui. Schmidt qui arrive à trouver Görtler qui centre à nouveau pour Schmidt qui tire et c'est dévié. C'est malheureusement dévié et c'est but pour Saint-Gall. Égalisation tout à fait méritée de la part des Brodeurs qui égalisent après une pression monstrueuse sur les 7-8 dernières minutes. C'est un petit peu chanceux de leur part car la frappe de Schmidt a été interceptée par Rouillet, mais ça a pris Jérémy Frick à contre-pied et c'est 1-1. Cette partie est maintenant complètement relancée en espérant que ça incitera les Servetiens à s'exposer un petit peu plus et remontrer les capacités qu'ils ont déployées dans la première mi-temps. Parce que si on passe le reste de cette mi-temps sur le rythme qui est imposé depuis le début de celle-ci, ça va très mal se passer pour les Genevois alors qu'un joueur saint-gallois reste à terre dans la surface de Jérémy Frick. J'arrive pas à voir de qui il s'agit, il est possible que ce soit... Non, c'est pas Guignono. Il a l'air... Pardon ? Il n'a pas l'air de beaucoup bouger. Hein, ouais, il ne bouge même pas du tout. Les soignants sont en train de... Non, si, il est conscient. Ah, il est sur le dos, pardon. Je n'arrive pas à voir qui c'est, effectivement. On vous tiendra informé dès qu'on a de nouvelles à ce sujet. C'est pas Guimeno, non. Non, il est debout. J'arrive pas à savoir. Fonmos ? Fonmos. Non, je ne crois pas que c'est Fonmos non plus, mais on aura la réponse tout de suite. Dans quelques minutes. En tout cas, Servette aura atteint 7 minutes. Il ne bouge pas du tout. Une défense approximative de la part de Diallo sur Schmidt et malheureusement Clichy qui n'arrive pas à contrer ce ballon sur la passe. Je ne vois pas qui c'est sincèrement. C'est peut-être Fonmos en effet. Fonmos je crois, ouais. Qui a dû se faire mal, on n'a pas vu. Non, pas vu du tout. Comment si vous arrivez à nous dire. Mais c'est dommage, de consoler ce but. Après on avait vu que Saint-Gall s'était montré vraiment. Beaucoup plus engagé sur la deuxième mi-temps, on va voir comment ça Alors il tient à peine debout. Hein. Comment ça évolue, il n'a pas l'air très très bien.
mais je ne sais pas comment c'est blessé. Il y a un changement tout de suite. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a plein de personnes qui viennent le consoler. Ben, il y a déjà un changement. Ouais. C'est l'entrée du numéro 28, Alves. Eh ben, nous avons deux anciens Servettiens côté Saint-Gallois sur le terrain. Qui va jouer côté droit, du coup, apparemment. Est-ce que c'est du poste côté qu'il n'a pas vraiment connu? Non, il n'y a pas trop le choix, de toute façon. Il me semble que c'est Görtler qui va jouer côté droit. Ah, c'est possible. Et Alves qui prend la place de Görtler. Qui va tout de suite gagner ce duel face à Fofana et Fouquet, ça va être pour Görtler. Görtler qui la remet pour Quintilla. Quintilla sur le côté droit pour Alves. Alves qui touche son deuxième ballon, il a peur face à Fouquet. Donil qui met un long ballon pour Fofana, ça va être Valci. Valci qui la remet chanceusement pour Schmitt. Schmitt qui ouvre le terrain, ça va être pour Diallo. Diallo qui est beaucoup plus rapide, qui lance la balle bien en avant, mais ça va être Schmitt qui va la remettre tout de suite à Ziggy pour ne pas trop s'inquiéter. Voilà qui vient faire le pressing, mais ça va être dégagé par le portier Stangola. Rouillet qui commet presque faute. Il y a un duel un peu. Enfin, il y a un peu de faute de deux. Ça va être pour le côté droit qui dépasse le milieu de terrain. Valci, attention parce qu'il y a beaucoup de place côté droit Stangola. Ça va être Bouillot qui va finalement dégager ce ballon, ce centre pour Cognac. Cognac qui la donne tout de suite à Fouquet. Fouquet qui est presque un défenseur gauche actuellement pour Clichy. Clichy presque comme défenseur central pour Royer. Royer qui ouvre pour Bouillot sur le côté droit. Stevanovic qui attend la passe. Ça va être finalement dégagé pour Fofana. Fofana qui reçoit le long ballon. C'est très compliqué face à ces deux tours du Saint-Gauloise. Et ça va être pour Royer. Royer qui la met sur le côté droit pour Bouillot. Bouillot qui va dégager tout de suite. C'est très compliqué hein, côté Servettien. Il y a énormément de pressing Saint-Gallois. Les Brothers qui sont présents et qui frustrent tous les plans Servettiens actuellement. Ça va être touche pour Servette, heureusement. Et Diallo qui va pouvoir effectuer cette touche au niveau du milieu de terrain. Alors que Loïc Berthiaud attire notre attention sur le fait que le derby zurichois est en train de tourner au cauchemar pour le FC Zurich mené 3-0. Doublé de j'ai oublié le buteur, c'est doublé de Chatin et un but de Puzic juste avant le T. Effectivement, ça fait un peu mal à voir. Pendant ce temps, sur le terrain du Kibun Park, la guerre fait rage entre ces deux camps qui déploient de belles qualités offensives. Kuteza sur le côté gauche qui se présente face à deux joueurs, va-t-il pouvoir s'en débarrasser? Alors il résiste, il doit revenir sur le centre, il tire un peu de loin, mais beaucoup trop écrasé et pas cadré malheureusement. Mais bon, il faut tenter des choses, ça permet de gagner aussi du temps. Casser un petit peu le rythme saint-gallois. Atitigi qui joue au pied directement avec Magica qui essaye de trouver très loin la télate. Est-ce que Nicolas Vouillot effectivement continue à montrer que c'est le patron des airs de cette défense servettienne, mais la suite dans les idées atterrit directement dans les pieds de Atitigi. Voilà, le jeu qui s'est un petit peu calmé là depuis le début de cette mi-temps. L'objectif pour les Saint-Gallois, c'était de remettre les deux équipes à égalité très vite. Ça a été fait, mais ça leur a certainement demandé beaucoup d'énergie. Et la sortie de Fonmos juste après son entrée a certainement plombé un petit peu les esprits. Alors que Patrick Fluquet avance un peu timidement. Il trouve sur la droite Stevanovic qui revient en direction de Diallo. On gagne quelques mètres dans le déplacement du bloc, mais là, c'est à nouveau les passes en défense. Steve Rouillet qui de la peine un petit peu à choisir, il revient vers Vouillot qui trouve Patrick Fluquet qui est vraiment aux positions de milieu défensif droit. David Doulin qui doit faire attention, c'est bien joué, il était pressé par Jérémy Guimeneau. C'est Clichy maintenant qui trouve Timothée Cogna pour Kuteza qui conserve le ballon, il court, il se fait vite rattraper par Sergiu. Est-ce qu'il va résister aux assauts? Eh ben non, mais Sergiu envoie la balle directement en touche, ce qui va permettre aux Servettiens de créer du danger sur la droite des buts de Laurent Satitigi. Clichy pour faire la touche. Alors ça va être pour Clichy qui va servir tout de suite pour Fofana. Fofana qui perd ce ballon à mauvais contrôle. Fofana qui a beaucoup baissé le rythme hein, depuis ce début de la deuxième mi-temps. Görtler qui va dégager ce ballon et ça va être pour Bouillot. Bouillot au niveau du milieu de terrain, attention face à Bouillot. La passe à ras de terre, très compliquée, faute sur Cognac. Cognac qui la donne à Clichy. Clichy qui dégage ce ballon un peu trop loin. Ça va être pour Ziggy. Ziggy qui va pouvoir contrôler face au pressing de Cognac. Pour l'instant, Saint-Gall a beaucoup mieux commencé le deuxième mi-temps que Servette. On voit un Fofana qui est un peu absent pour l'instant, qui n'arrive pas à trop contrôler. En même temps, c'est très difficile de jouer avec deux défenseurs sur lui comme sont Magica et Sergio. Mais cette équipe servettine qui a un peu lâché l'affaire pour l'instant, on espère les voir essayer à nouveau et mettre en difficulté cette défense saint-gallaise. La passe sur le côté droit
de Gördler qui n'est pas du tout réussi pour Guiménon. Et ça va être touche Saint-Gaulaz. Saint-Gaulaz, si je ne me trompe pas. L'équipe Servetting qui s'avance, ça va être Valci qui va effectuer cette touche. Alors que on a encore les cotes qui ont vachement changé. Saint-Gauloise, ça fait un peu équipe de France catholique. Pardon, oui. Ça va être finalement pour Valci qui va effectuer pour Latelat face à Rouillet. C'est finalement Latelat qui gagne face à Sabatel Schmitt. Faute sur Schmitt de la part de Doulin. Doulin qui cherche à obtenir son 7e carton jaune de la saison, mais il ne l'obtiendra pas. C'est dommage pour lui. Alors il y a heureusement pour nous. Heureusement pour nous. Il y a quelques joueurs qui s'échauffent. J'ai vu tout à l'heure Bauer qui était en train de s'échauffer côté Servettien, mais je crois que même voit pas très bien. Ils se sont assis à nouveau. Hein. Je ne les vois plus du tout. Ouais. Ils se sont assis ou alors ils sont vraiment dans notre angle mort. Oui. Alors que c'est Guimeno et Quintilla, Quintilla qui est redoutable sur les coups francs, qui sont en train de se préparer pour tirer cette balle. Alors que c'est Guimeno qui centre et c'est la tête de Rouillet. Qui envoie cette balle en touche. C'est Valci qui se précipite pour aller tirer cette, pour aller faire cette touche. Non, c'était Gertler, mais c'est Valci qui la fera au final. Plusieurs options se présentent à lui. On verra ce qu'il choisit. C'est Alves, il me semble, qui a le ballon. Oui. Une touche voilà, qui permet aux Grenades de souffler un petit peu. On n'a pas vu une baisse dans les capacités offensives de Servette depuis le début de cette deuxième mi-temps, si ce n'est juste une baisse du nombre d'opportunités. Oui. Donc on espère que ça bouge. Là, par exemple, Stevanovic est en position idéale. Malheureusement, il a glissé et ça permet aux Saint-Gallois de se relancer. Et puis alors, eu un sauvetage de Clichy devant Gertler. Ouh là là. Mais ça obtient un corner. Vraiment, là, il y a eu une petite erreur et tout s'est effondré. Le problème, c'est qu'on voit beaucoup plus d'erreurs de la part des Servettiens, j'ai l'impression. Il y a un pressing extrêmement haut de la part des Saint-Gallois, mais ça produit justement des erreurs. Et du coup, c'est qu'on voit tout de suite Stevanovic qui reçoit la balle. Il perd la balle tout de suite, la contre-attaque et l'erreur de Clichy, enfin le dégagement forcé de Clichy. Et Frick qui n'arrive pas à récupérer son ballon alors que Flouquet, alors que le corner n'avait mené à rien. Et ça va être Flouquet qui a dégagé ce ballon et qui a réussi à avoir cette touche sur le côté gauche Servettien. En tout cas, le fait que les deux équipes soient à nouveau à égalité, ça me réjouit quelque part parce que cette première mi-temps offensivement pour Servette, c'était magique. Et le fait qu'à nouveau, on se retrouve dans une situation où les deux équipes partagent l'enjeu, ça va quand même pousser Servette à se projeter vers l'avant de temps en temps. Et s'il montre les mêmes choses que la première mi-temps, ça va être intéressant. Déjà. Alors que là, Koutessa a semé dans le vent ses adversaires. Oui. Il a réussi à passer tout seul, il est au centre et malheureusement... Le retour de Sterjou a poussé. Il me semble que c'est Guindo qui a dégagé cette balle en corner. Donc là, vraiment, on est passé d'une touche à un petit solo de Koutessa pour obtenir un corner. C'est extrême. Enfin, les capacités de réaction sont impressionnantes de la part des Genevois qui maintenant peuvent tirer ce corner devant les supporters grenats qui ont fait le déplacement. Cogna qui s'élance et un joueur Genevois qui est tombé dans la surface alors que les Saint-Gallois peuvent se dégager. Il s'est relevé, il me semble que c'était Koutessa. Alors que là, il y a une faute sifflée pour un contact entre Cogna et il me semble que c'est Schmitt. Cogna qui reste au sol, hué par le public qui croit à la comédie. L'arbitre qui va s'enquérir de son état. Alors que je vois un chasuble retiré de la part de Moritz Bauer qui va certainement faire son entrée. J'ai pas vu s'il y en a un autre, mais ce serait pas étonnant d'avoir un changement multiple. Si Moritz Bauer entre en jeu, c'est probablement pour Moussa Diallo, oui. Effectivement ce côté gauche, ce couloir gauche Saint-Gallois leur a octroyé des occasions assez nettes. Cogna qui a pu se relever et puis qui s'explique un petit peu avec l'arbitre. Voilà. Cogna qui se fait avertir, visiblement quelques engueulades avec l'arbitre. Et le cactus arrive effectivement parce qu'on voit Crivelli également se présenter sur le bord de la zone technique. Alors le changement ne se fera pas pour tout de suite, mais il y a en tout cas un double changement. Crivelli et Maurice Bauer qui feront leur apparition, certainement pour Fofana et Diallo. Alors que l'arbitre demande aux Saint-Gallois de jouer ce coup franc, c'est Maglica qui... est un peu indécisif. Enfin, il cherche très loin. Est-ce qu'il va trouver Lucas Gertler? Non, c'est Vouillot. Mais sur la relance, les Saint-Gallois gardent la balle. Gertler va-t-il pouvoir éviter la sortie de but? La balle est toujours en jeu. Elle est... Et ce sera un corner pour les Saint-Gallois.
L'arbitre qui va certainement procéder au changement maintenant. Non, visiblement je pas. Je pense pas. Tirer immédiatement. Et Jérémy Frick va pouvoir... je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Moi Frick, non plus, il reste mais au il sol. Faute sur Frick. Le corner a été tiré rapidement. Il restait une balle sur le terrain. L'arbitre voulait siffler pour dire rejouer ce corner. Mais en attendant, le premier a été joué. Et effectivement, il y a eu plusieurs corps lancés, projetés au sol en direction du ballon. Et Jérémy Frick en faisait partie. Il a peut-être été légèrement touché. Je pense quand même beaucoup touché. Mais en tout cas, ça va permettre à Servette de respirer un peu. C'est vrai que les occasions actuellement, enfin les phases défensives de Servette actuellement, c'est un peu compliqué. On est plus sur le deuxième but de Saint-Gall, enfin on est plus proche du deuxième but de Saint-Gall que du deuxième but de Servette. J'espère que la dynamique va changer d'ici la fin du match et peut-être avec ces deux changements. Peut-être qu'il ne va pas sortir Fofana, peut-être qu'il va même sortir Kuteza ou Fluke. Ah, et apparemment il y a un projectile qui aurait été ramené par l'arbitre principal au quatrième arbitre. Ce qui ne m'étonnerait pas, hein. ils sont assez animés ce soir, le COP Saint-Gallois. Alors que le corner va maintenant enfin pouvoir se jouer. J'arrive pas à voir qui est à l'œuvre, c'est probablement Quintilla. Quintilla qui tire, ça va très loin et c'est la main de Jérémy Frick et le pied de Diallo et de Fluquet. Diallo qui dégage très loin, il a vu Cogna. Cogna qui est idéalement placé, malheureusement ce sera un petit peu trop axial et ça passe en direction de Fofana, trouve Sterdjou. Sterdjou qui envoie cette balle en touche, mais c'est fou, hein, vraiment, ils sont en difficulté. Et en quelques secondes à peine, eh ben, ils arrivent à obtenir une balle arrêtée dans la surface saint-galloise. C'est très bien joué. C'est effectivement Diallo qui sort pour Moritz Bauer. Moritz Bauer qui fait son apparition sur le terrain. Alors ça semblait assez logique comme changement, même s'il y a eu moins de problèmes avec Diallo. Ça va être Fofana finalement, ensuite. Et ce sera Fofana qui sort pour Enzo Crivelli qui fait son grand retour après avoir été touché à la cheville, si je me souviens bien. Oh non, il était déjà entré contre Getseo, je me trompe. J'ai un petit doute. Si quelqu'un s'en souvient, merci de me dire. Et j'en profite pour rappeler. Puisque vous êtes 70. C'est ça. Ah oui, impressionnant. Bienvenue tout le monde. En tout cas, je rappelle que la description de la vidéo vous permettra de répondre à la question de savoir où on peut regarder le match. Alors que c'est Cognac qui va se charger de faire. Ouais, il était rentré, on m'a dit. Non, c'était Moritz Bauer. Est-ce que la sortie... Oui, la sortie est à nouveau Servettienne. Moritz Bauer. Il aurait pu faire un centre, hein, vu qu'il oui, on le connaît, on le connaît. Ah, attention, le centre arrive de la part de Bauer. On nous confirme, on attend ce moment. Il était entré en jeu. Et c'est effectivement une sortie directement pour Crivelli. Alors malheureusement, c'était un peu trop long et c'est Atitigi qui va pouvoir s'emparer de cette balle. Mais Crivelli qui vient rôder derrière Atitigi, c'en est presque caricatural. En tout cas, il se donne. Crivelli, ça, on ne peut pas lui reprocher. Depuis qu'il est arrivé à Servette, en tout cas, il donne corps et âme pour la réussite des Genevois. Bouillot qui va dégager ce ballon, ça va être Valti au milieu de terrain qui va pouvoir le récupérer, qui vient vers l'axe, ça va être pour Quintilla. Quintilla qui remet en arrière pour Sterdjou, Sterdjou pour Maglica. Maglica qui va pouvoir s'avancer et dépasser le milieu de terrain. Le rang central, ça va être pour Schmitt. Schmitt sur le côté gauche, attention à l'entrée de la surface. Bauer qui va tacler, très joli tac de Bauer qui est très précis sur la défense dans cette première action défensive. Alors que les affaires du FC Zurich ne vont pas s'améliorer vu qu'un de leurs joueurs vient d'être expulsé sur un deuxième rouge. D'accord. Alors après-midi très compliqué hein, pour Zurich. C'est le cas de le dire. Et qui se retrouve de plus en plus seul derrière en tant que l'entendant rouge alors que Schmitt donne cette passe à Alves. Alves à l'entrée de la surface sur le côté gauche, c'est récupéré par Cogna. Cogna qui va dégager tout de suite. Mais c'est un mi-dégagement, c'était plutôt une passe pour Fluke. Quintilla qui va frapper tout de suite, c'est dévié. Par Fluke, Clichy qui va pouvoir arriver, qui a le temps, qui va la donner tout de suite pour Kuteza. Kuteza qui va essayer de contrôler face à Valti. Valti face à deux joueurs, il arrive. Extrêmement bien joué Kuteza, qui s'est défait des deux joueurs de Alves et de Valti. Et Peter Zeigler se fâche, mais il a tort. Derek Kuteza a extrêmement bien joué le coup. Oui, il a très très bien joué et ça a permis à Servette de pouvoir sortir tranquillement. Donc ça va être Clichy qui va pouvoir effectuer ce coup franc. Il va finalement le laisser pour Frick. Kuteza qui a l'air un peu fatigué, je trouve. Peut-être un deuxième changement qui va arriver pour lui. Je vois pas trop qui. Hein. Sincèrement, c'est compliqué là, c'est vrai. Ça va être pour Crivelli. Crivelli qui perd face à Valci. Ça va être pour Fluke. Fluke pour Cogna. Dolin dans le rang central. Ça va être pour Ouyo. Ouyo qui va revenir en arrière, qui essaie d'échanger
de côté, ça va être pour Rouillet. Rouillet qui va remettre tout de suite à Clichy. Clichy qui n'a pas beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de pressing. La passe tout de suite pour Flouquet. Bien joué. Pour Clichy, ça arrive à se défaire des trois défenseurs. Clichy qui n'arrive pas à dépasser Valci. Valci, le triple attaque et il récupère la balle. Ça va être finalement pour, incroyable, pour Servette. Incroyable. Très bien joué de la part de Servette. Incroyable. Clichy a remporté un duel en trois épisodes face à Valci qui a été franchement irrité. Mais toute irrité. La séquence là sur le côté gauche était très très bien jouée de la part des deux, deux hommes servettiens. Il y a une maîtrise de la pression par les Grenats qui est assez impressionnante. Alors que la touche est lancée en direction de Kuteza, mais c'est Valci qui va l'envoyer en direction de Görtler. Clichy à nouveau en possession de la balle. Tout le monde cherche Crivelli, mais il ne sera pas trouvé. Là, c'est Doulin qui arrive à s'interposer devant Alves. Flouquet est contraint de revenir en arrière en direction de Rouillet. Rouillet va chercher très loin Moritz Bauer qui était très esselé sur le côté droit, mais Schmidt vient à grandes enjambées couvrir la trajectoire, et là le public saint-gallois se réveille. Excusez-moi. Alors, ne t'étouffe pas. Je crois que je vais te laisser prendre le relais pendant que je bois une petite goutte. Alors que c'est Doulin qui récupère pour Kenny, la passe en profondeur qui va être trop courte, malheureusement ça va être Guindo qui va récupérer pour Ziggy. Ziggy qui dégage tout de suite, ça va être récupéré par Guimeno. Guimeno face à Doulin dans le rond central, ça va être récupéré par Doulin. Très beau geste défensif de Doulin qui donne tout de suite sur une faute, ça va être pour Stavanovic. Stavanovic qui donne à Crivelli face à Starjou. Starjou qui arrive à dégager ce ballon pour Schmidt, c'est encore récupéré par les Servettiens. Attention, le tac, c'est récupéré par Guindo, mais c'est pour Bauer. Bauer qui est revenu en arrière, qui essaie de calmer le jeu. On a dépassé le milieu central, ça va être pour Bauer. Bauer qui continue à s'avancer face à 3. Brodeur, ça va être finalement pour Maglica. Maglica qui redonne tout de suite à Ziggy. C'est dégagé par le portier qui la met au milieu de terrain. Et ça va être Crivelli qui va pouvoir la récupérer. Non, c'est Starjou qui a encore remporté tous les duels. Faute peut-être sur Doulin de Alves. Non, ça va être pour Gottler. Attention, le contre-attaque, ça va être pour Gottler qui continue de s'avancer face à la défense européenne qui l'attend. Le tir de Gottler. Et heureusement, c'est dévié par Rouillet à l'entrée de la surface. Mais cette équipe servettienne qui attend un peu trop et laisse. C'est plutôt Doulin qui lui-même ne s'attendait pas à rater son jeu de tête. Et puis derrière, il y avait un Saint-Gallois qui a tout de suite réussi à créer une situation. Aucun défenseur servettien allait le chercher après. Enfin, et allait le préserver. En tout cas, ils sont bien. Il y avait deux autres joueurs à surveiller. Mais il y avait quatre défenseurs, je crois, des Servettes. Ça va être le centre tout de suite, le corner. Crivelli qui dégage ce ballon. Très bien joué de la part de l'attaquant. Je ne vois, ça va être pour Alves. Alves qui perd ce ballon face à Crivelli. Crivelli qui essaye de tout donner pour récupérer ça. Ça va être pour Clichy, la passe de l'extérieur du pied. Et ça va être pour dégager par Schmidt. Attention, parce que Doulin est resté à terre. Non, c'est tout bon. Il peut récupérer. Alors que nous aurons un nouveau changement côté Saint-Gallois. Je n'arrive pas encore à voir de qui il s'agit. Mais on aura la réponse tout de suite. C'est le numéro 30, Suter, qui va faire son entrée pour le numéro 20, Valci, qui perd beaucoup de duels en ce moment, donc ça va peut-être installer une nouvelle dynamique sur ce côté gauche servettien. On n'espère pas, parce que ce couloir a permis de créer beaucoup de situations dangereuses pour les locaux. C'est exactement ce qu'on espère voir en ce moment. Alors que j'essaie de voir, il y a eu de l'animation sur la zone technique servettien. Les quatre entraîneurs assistants ont fait leur apparition. Moritz Bauer qui peut faire enfin cette touche loin en direction de Cogna, mais c'est une tête saint-galloise qui l'intercepte. Mais la passe suivante est ratée, ce qui permet à Patrick Flouquet de décaler Gaël Clichy. Gaël Clichy qui est très haut sur le terrain, il centre et c'est le pied de Görtler, il me semble. Non, c'est Görtler maintenant qui arrive à récupérer cette balle malgré le pressing de Kutesa et Crivelli. Görtler qui avance malgré la pression de Cogna, il trouve Schmidt pour Guindo. Guindo pour Görtler qui est maintenant en position idéale. Il sert sur la droite. Je crois que c'est Alves. Alves qui tire et c'est dans le petit filet des buts de Jérémy Krik. Très bien joué de l'ancien servettien. Mais trop imprécis. Il était quand même idéalement couvert par Steve Rouillet, qui le connaît certainement assez bien. Alors que Théo Valls va maintenant faire son apparition. Beaucoup de changements en ce moment. Si Valls entre à la place qui est Flouquet, je ne serais pas étonné que ce soit Cogna. Cogna a énormément couru aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il est essentiel dans le jeu servettien. On aura la réponse bientôt. Mais je pense que surtout Flouquet a un peu disparu dans sa dernière phase. Donc je pense que c'est pour ça qu'il va le changer. C'est possible. Ou peut-être même Kuteza pour remettre Flouquet sur le côté gauche. Alors que Stevanovic arrive à récupérer ce ballon face à Ziggy. Alors il faut mettre le pied. Et malheureusement le portier. Et c'est même une faute de Stevanovic. Qui arrive avant. C'était bien tenté de la part de Stevanovic. C'était un enjeu. Ah, c'était même un enjeu. Alors,
Ouais, okay. Je me disais bien, parce que je ne comprenais pas comment Stevanović était aussi seul dans la surface, ça semblait faux. Ça l'était. moi, j'avais trouvé qu'il avait très bien coupé, mais ouais, peut-être un peu en retard. Et du coup, il avait été, il était hors jeu. Mais on va voir avec cette entrée de Valls comment l'équipe va se présenter. Ça va être en tout cas Suter qui est sur le côté droit, qui va la donner en profondeur pour Rutler. Gerdler qui a 4 poumons, j'ai l'impression, parce que... Il a la trentaine, je crois, et sur le côté droit, il ne s'arrête pas, en tout cas, ça va être pour Alves. C'est un des grands artisans de cette équipe de Peter Zeigler. Qui s'éteint tout le temps. Ça va être pour Zutter. Zutter qui va effectuer la touche pour Latelat, qui a un peu disparu dans cette deuxième mi-temps. Gertler sur le côté droit au niveau du poteau de corner, et il va laisser sortir. Pour moi, c'est sortie de but. Il avait sorti de son propre pied. Et qui vient se plaindre auprès de l'arbitre de touche, parce que pour lui, c'était corner. Mais ça va être ballon pour Frick. Avec Latelat qui demande à son coéquipier d'arrêter de contester, qu'ils auront besoin de lui. J'essaie de me souvenir parce qu'il y a des joueurs qui étaient menacés de suspension. Il s'agit de Latte et Schmidt qui n'ont pas encore été avertis. Non. Alors que le COP se fait entendre de manière très claire. Là, les seuls joueurs avertis de ces trois coups pour le moment sont Guindo et Cogna. Alors que Clichy cherche très loin, cette fois-ci c'est Stevanović qui se pose en embuscade très proche, enfin très avancé dans la défense. Alors que là un dégagement de Guimeno, alors que la tête de Vuillot était tout proche, aurait dû à mon avis entraîner une faute. Mais... Alors pas Selonsan, parce que je explique sa grimace que vous avez peut-être vu à l'écran. Vuillot met la tête en avant, donc c'est pas faux. Alors c'est Cespedes qui va faire son entrée pour Kutesa. Alors c'est probablement une erreur. Je ne verrai pas Cespedes jouer c'était à direct, cette position. Hein. Non, je pense qu'il va faire sortir. Fluke va venir ailier gauche. Mais, c'est probablement le cas. Mais en tout cas, c'est assez étonnant. Cespedes qui a perdu énormément de terrain après sa blessure en début de saison. Ça va être intéressant. Peut-être qu'il veut avoir plus. Le ballon au milieu de terrain, il va avoir plus de présence défensive au milieu de terrain. Alors peut-être que Doulin et Cespedes vont jouer en défense avec Cogna en numéro 10. Ce serait tout à fait possible, alors que malheureusement sur le côté droit, les Servetiens n'arrivent pas à rendre leur réactage fructueuse. Ah. Mais heureusement, le rebond est bénéfique à Stevanović qui arrive à servir Cogna en arrière de la course. Malheureusement, Crivelli a tenté quelque chose de compliqué, mais David Doulin arrive à récupérer la balle. Il sert Stevanović qui a une opportunité de centrer en direction de Crivelli. Et c'est Sterdjou qui dégage. Mais Cespedes vient alors tout de suite mettre le coude. D'accord. Avertissement. Il y a tout de suite carton. Cespedes. Non mais c'est... Voilà, ça lui a non, pris quoi on savait 10 secondes. On savait que Doulin était le digne héritier de Cespedes sur les avertissements. En tout cas, Cespedes nous a rappelé pourquoi c'est lui avant qui obtenait tous les avertissements. À peine entré, déjà un jaune. Il a quand même chargé son adversaire dans le dos. On va quand même être bon joueur ici. Gutler, ce joueur est omniprésent à chaque match de Saint-Gall, et puis c'est pas étonnant. Elle est très intéressante. Selon vous, Zurich, ils vont se maintenir. Bah, disons que là, il n'y a pas de relégation automatique cette saison, donc il y a toujours une seconde chance. Et puis les matchs à élimination directe, c'est pas la même dynamique qu'un championnat prolongé dans le temps. Alors que Sterdjou a de la place sur le côté droit. Qu'est-ce qu'il va pouvoir créer là? Il y a un appel de balle de Guimeno plus loin devant. Il préfère jouer sagement avec, il me semble que c'est Suter. Suter, ouais, il faut que je me rappelle de ce joueur qui vient de faire son entrée. Quintia en position de défenseur central qui cherche des solutions. Il va la trouver avec Maglitsa sur le côté gauche. Ça va être pour Maglitsa qui va pouvoir s'avancer. Il s'avance tranquillement face au pressing de Cogna qui n'est pas énorme. Ça va être finalement pour Alves. Alves qui arrive à se défaire. Ça va être pour dans l'axe pour Guimeno. Guimeno qui essaye la passe avec Latelat, mais c'est dégagé par Vuillot. Truelli qui essaie de faire le pressing face au défenseur, face au Brothers. Ça va être pour Maglitsa. Maglitsa qui va pouvoir ouvrir tout de suite pour Schmidt sur le côté gauche. Attention, il y avait peut-être main de Alves. Ça va être pour Schmidt sur le côté gauche au niveau du poteau de corner. La passe en arrière pour Guindo. Et c'est heureusement dégagé par Bauer. Crivelli qui va aller au duel. Il y avait une main là, j'ai l'impression. Qui perd, c'était des Crivelli. Encore une fois, ça va être touche finalement pour Schmidt sur le côté. Sur le côté gauche pour Saint-Gall. Saint-Gall qui va pouvoir s'avancer. Guindo qui se retourne face à Doulin. J'ai énormément du mal avec le nom de Guindo alors que c'est pas compliqué. Ça va être pour Latelat. Latelat qui fait une mauvaise passe pour Guimeno. C'est dégagé par Royer. Royer pour Cogna. Cogna qui perd ce ballon face au pressing Saint-Gallois. Et ça va être finalement pour Quintia. Quintia qui va donner ce ballon à Sterjo. Sterjo qui coupe pour Latelat. Attention, le pressing, ça va être pour Cogna. Cogna qui met en profondeur. Attention, c'est Sterjo encore une fois qui arrive à couper ses passes. Très bon match défensif de Sterjo. Excellent. En tout cas, deuxième. Très bon deuxième mi-temps
Et ça va être pour Latelat. Latelat sur pour Gottler. Gottler qui met en place un profondeur sur le côté droit pour Starjo qui devient défenseur droit alors qu'il était défenseur central. Ça va être pour Clichy. Clichy qui arrive à la donner à Cognin. Ça va être pour Ier. Cognin qui a l'air d'avoir un problème au niveau des pieds. J'espère qu'il n'est pas blessé, mais il a du mal à marcher. Ça va être pour Stevanovic. Stevanovic pour Bauer. Bauer qui va dégager. Il glisse et qui va la remettre tout de suite en touche. J'ai presque l'impression qu'il a quelque chose qui le gêne, Cognin. Et ça m'inquiète beaucoup, ça. Ça serait vraiment dommage. Alors, il y a toujours Théo Valls qui peut entrer sur le terrain et qui peut faire du poste pour poste avec Timothée Cognin, avec des qualités certaines. Alors, on adore Cognin, mais c'est vrai que s'il commence à se faire mal, il ne faut pas forcer l'affaire. L'infirmerie est déjà assez remplie côté Grenat. Alors que Nicolas Sterjiou sert Quintia, qui joue vraiment sur la ligne défensive maintenant. Je ne sais pas s'il y a eu un changement de positionnement de la part d'une partie de l'équipe. On joue maintenant sur le côté gauche avec Gürtler, puis c'est Guindo qui a tenté un centre ras du sol, et puis Vouillot, encore lui, omniprésent dans la défense tervétaine ce soir, qui a essayé de servir Crivelli. Le contrôle était un petit peu compliqué. Et là c'est Quintia, il a un grand choix devant lui, mais Rouillet alors a réagi tout de suite. Ouais, et Crivelli qui réussit son jeu de la tête. Patrick Fluquet qui a la balle et il a tenté de servir Stevanovic. Il n'était malheureusement pas assez fort, mais extrêmement bien vu. Il manque mais vraiment ce petit rien de réussite qu'avait constamment Koutesa en première mi-temps. Alors que Cognin a été fauché, arbitre. Voilà qui est chose faite. Cognin qui a été fauché dans cet échange à l'orée des 16 mètres de Jérémy Frick. Et Théo Valls qui va maintenant faire son entrée. On va savoir à la place de qui. Moi, je parierais quand même sur Cognin vu effectivement sa fatigue. On attend la confirmation. Le panneau qui est prêt alors à être... Diaz va s'échauffer. Alors que Diaz va s'échauffer. Et il reste effectivement un changement après ça pour les Genevois. Et Stevanovic qui peine à gagner les duels à la tête. Alors, c'est vrai qu'il est pressé de très très près. On connaît le danger Stevanovic. Mais c'est vrai que... pour le coup d'un coup de coude de la part de Guindo. Coup de coude que je trouve était vrai. Oui. Je pense qu'il y avait un coup de coude de la part de Guindo qui n'a pas été sifflé par l'arbitre au niveau du duel. Mais c'est vrai qu'il n'a pas gagné énormément de duels ce soir, Mitja. Alors que Frick a essayé de trouver Crivelli directement et puis Maglitsa ne prend aucun risque et puis balance la balle en touche. Je pense que les Saint-Gallois sont aussi, sont aussi tendus par rapport... par rapport au risque de voir le prochain but arriver du côté de Servette. Et la cote a baissé, hein. On voit la cote se rapproche. Alors toujours avantage aux locaux. Mais effectivement, Théo Vaz va faire son entrée à la place de Timothée Cognin qui en plus d'être averti avait l'air d'avoir été fatigué et puis il sort en marchant sous les huées saint-galloises. On rappelle que le score est de 1 à 1 et pas de 1 à 0, donc la dynamique est quand même légèrement différente. La touche qui va pouvoir être jouée par Moritz Bauer, cette fois-ci il regarde en arrière en direction de Cognin. Cognin pour Clichy, le pressing saint-gallois est immédiat, mais Clichy a peut-être trouvé un Stevanovic en position idéale pour servir Cespedes à l'orée de la surface. Va-t-il tirer? C'est le cas. Très bien joué de Boris Cespedes, Ziggy se couche sans aucun problème, le contre-pied n'aura pas eu lieu. Mais très bien joué de la part de Cespedes qui décoche une frappe à ras du sol qui était très intéressante, alors malheureusement pas assez dangereuse, mais qui était à mon avis le bon geste à faire. On voit presque une... Alors c'est très bizarre comme positionnement de la part des Savannes, mais on voit presque un 3-5-1-1. Valls comme 10 presque et Crivelli tout seul en pointe, alors que Fluquet, Cespedes, Doulin se retrouvent et Stevanovic se retrouve au milieu central et la défense à 4 maintenant qui s'est bien mise en place avec Bauer, Bouillot, on dirait presque un 4-4-2, c'est un peu particulier. On verra comment ça évolue. Alves qui se retrouve à l'entrée de la surface qui arrive en bonne position pour frapper, attention, et heureusement ça passe juste au-dessus du but. Alves qui aurait pu mettre un but à la Messi. Était à la Messi, j'ai dit. Non, c'était une frappe assez incroyable mais malheureusement imprécise. Oui heureusement c'est passé, heureusement assez loin. Pour Servette. Malheureusement pour le spectacle. Oui Mais en tout cas, ça va être Frick qui va pouvoir... ça aurait été beau pour le Comos du football. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça aurait été... oublie pas de noter la minute. Et puis, ça aurait été... ça aurait vraiment été une de ces situations un petit peu difficiles pour nous, parce qu'on vient soutenir Servette, mais on garde quand même une analyse objective du match, autant que faire se peut. Alors que cette fois-ci, c'est Clichy qui a la balle sur le côté gauche. Pas beaucoup de solutions devant lui, donc il va chercher très loin Enzo Crivelli.
qui est bien couvert, hein, très très bien couvert. Je crois que le danger Crivelli est connu, le cactus, comme on commence à l'appeler. Alors que Gürtler est maintenant tout seul sur le côté droit, il essaie de trouver la télate et l'intervention de Rouillet est ratée. Heureusement, Jérémy Frick réussit sa sortie et ce sera un corner. Bien joué de la part de Frick. On a eu chaud. Rouillet qui s'est totalement raté dans son intervention et Frick qui était très très rapide pour sortir de son but et aller chercher la télate qui a frappé sur lui. Carrément. Il reste bientôt 5 minutes dans le temps réglementaire, donc c'est le moment vite, à ne là, pas faire ce... quand même. Ouais, vraiment. Vraiment, elle était peut-être. Je pense qu'il y a eu moins d'éclats qu'en première, mais on sentait mais constamment une espèce de tension. Oui. La pression n'a jamais relâché d'un côté comme de l'autre. C'était assez impressionnant. Alors que le corner est tiré, est-ce qu'il atterrit sur le pied de Schmidt? Mais c'est trop imprécis. La balle rebondit au sol et va filer à l'écart du poteau droit de Jérémy Frick, qui va prendre comme à son habitude tout son temps pour faire le dégagement. Je pense qu'un match nul serait bien et correct. Alors moi, mon pronostic avant le début du match, c'était vraiment un 1-1. Donc pour le moment, je suis un devin. Mais, mais je ne demande qu'à avoir tort grâce au pied de Enzo Crivelli au fond des filets d'Atizigi. Mais ça, nous avons encore 5 à 10 minutes pour voir si ce sera le cas ou pas. Alors que Cespedes arrive à servir Crivelli qui joue sur le côté droit avec Moritz Bauer. Moritz Bauer qui cherche Stevanovic et malheureusement, la balle franchit la ligne. Schmidt ou Guindo, c'est Guindo qui joue tout de suite la touche, récupère la balle et cherche très loin, changement de côté pour Suter, Fluka qui court pour venir couvrir le joueur entré en cours de jeu, ce qui permet de ralentir un peu sa course, mais à côté de lui il y a Gürtler qui est capable de choses assez fantastiques. On s'en souvient de cette passe à la Tela tout à l'heure, alors qu'un petit 1-2 entre Schmidt et Alves permet d'obtenir une sortie de but pour les Servettiens. Bon pressing de Cespedes. Pour l'instant, Cespedes qui a fait une bonne entrée, heureusement. Très très bonne. Sauf le coup de coude dans le cou, mais... Je pense qu'il est venu s'occuper des Gürtler. Je crois que ça a été le travail demandé par Alain Gaillère. C'était de s'occuper de Gürtler qui est en train de prendre une dimension. Au niveau des matchs, il était en train d'apporter énormément de choses à Saint-Gall. Et ça a été peut-être une très bonne réussite de la part d'Alain Gaillère, ce changement. Alors la télate bat au duel avec Rouillet, ça va être Clichy. Frick qui sort en vitesse très très loin, ça va dégager, attention, parce que maintenant il faut pas perdre ce ballon. Clichy, Frick qui n'arrive pas tout de suite dans le but, attention avec Frick, qui est revenu de justesse avec le tir de Piquet qui si était Frick du prenait terrain. Ce but, ça aurait été criminel de sa part. Oui, parce qu'il est sorti très très loin. Il est sorti presque jusqu'au poteau de corner et il y a une tentative de frappe de loin qu'il a réussi à capter juste à temps. Mais alors là, Jérémy Frick, il y a une prise de risque assez inconsidérée. On a toujours le temps de se repositionner face à un attaquant qui reçoit une passe en position idéale. On n'a pas le temps de se repositionner quand on est au poteau de corner et que l'adversaire a la balle. On te souhaite bon appétit, Diego. D'ailleurs, il s'appelle Diego. Moi, merci, c'est Juan, beaucoup, si jamais, Capucine Rinaldi. Diego Esteban, Juan Boudeguer. Nous sommes commentateurs chez Lucarne Grenat. Nous commentons du coup pour le compte du Servette FC sur ses canaux, mais surtout YouTube en ce moment. Alors qu'il y a une faute sur David Doulin, mais l'arbitre ne la siffle pas. Schmidt qui peut avancer avec le ballon et heureusement Gaël Clichy se trouvait sur la trajectoire, ce qui fait perdre du temps à la relance saint-galloise, même si Guindo cherche très loin en direction de Gürtler. C'est Gaël Clichy qui va pouvoir relancer cette balle, mais c'est tout de suite intercepté par Schmidt. Ça va à 1000 à l'heure en ce moment, alors que peut-être Clichy a shooté la cheville de l'attaquant saint-gallois qui couvrait. Doulin a intervenu de manière dure mais juste. Et Patrick Pluquet a cherché un peu entre Valls et Crivelli, ce qui permet aux saint-gallois de garder la balle et de continuer un peu leur power play sur la moitié de terrain servettienne. Mais Atizigi dépasse à peine ses 16 mètres. Hein. On sait que le danger guette de très près, alors que Clichy, Clichy n'arrive pas à courir sur terre. Le centre était très dangereux. Et puis il y a eu, je crois, la tête de Nicolas Bouillot qui a pu prolonger cette balle. Guindo pour Schmidt qui revient vers Guindo qui prend son temps. Il n'y a pas beaucoup de solutions, mais il trouve Guimeno. Est-ce que ça va être une frappe directe? C'est le cas, mais Guindo, c'est beaucoup trop imprécis. La frappe va vraiment plus en direction du poteau de corner qu'en direction du but. J'ai peur de dire ça. Il reste à peu près 2 minutes plus le temps qui va être additionné. Ça me rappelle un autre match qu'on avait vécu toi et moi. Tant qu'on était on a extrêmement peur que l'histoire se répète. On veut pas de ça. J'arrive plus à me souvenir qui avait commis la faute côté saint-gallois que l'arbitre de l'époque Piccolo avait pas vu. Guimeno avait marqué le but, mais je suis pas sûr que c'est lui qui avait commis la faute à l'origine de l'action fautive. Alors que Crivelli gagne son duel de la tête, mais c'est Schmidt qui récupère et puis Suter qui amène la balle en touche. Ça va offrir un petit peu de répit au Grenat. Patrick Fluquet qui se présente pour remettre la balle en jeu.
Et non, il va laisser. On perd un peu de temps. C'est pas plus mal, sincèrement. Tretin del Spiel. Attends, je comprends pas ce qui se passe. Il y a un message en allemand qui a l'air assez critique du public, mais je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. 200. Pourquoi 200 VLF? Ouais, à peu près c'est 200. Ils demandaient combien de Genevois étaient dans le parkage, on va dire 200. Ah oui, ils sont assez pressants, ils ont été animés, ils ont été très présents ce soir. Ils ont participé à l'animation du match et sincèrement, ils ont fait un long déplacement. Le match nul, ce serait un bon cadeau de la part de Servette. Et pour l'instant, le FC Zurich joue mieux à 10 qu'à 11. Hein. Ils n'ont toujours pas pris de nouveaux buts. Alors que Sutter est à la lutte avec Pluquet, il arrive à trouver il cherchait la télate et puis la couverture de Rouillet est excellente. Bien, les deux sont au sol, mais bon, ils comprennent que c'est un peu les termes de ce genre de duel. Plein de respect entre les deux joueurs, mais voilà, accrochage pour permettre à la balle de sortir et de permettre à Jérémy Frick de prendre tout son temps pour la relance alors que nous entrons dans la dernière minute du temps réglementaire de cette rencontre. Non, le temps additionnel va être annoncé maintenant, pardon, je me suis trompé de minute, ce sera 3 minutes. Donc vous voyez la 45e minute à l'écran, c'est 45e minute de la mi-temps en cours bien sûr. Nous arrêterons certainement cette rencontre à la 48e. Alors Kainzo Crivelli a réussi à récupérer cette balle, mais toujours le geste suivant est hasardeux. Sutter qui dégage loin et ce sera en touche directement en train de paniquer sur le banc. Sutter un peu, sur ouais, son côté. Sutter qui n'a pas eu énormément d'aisance depuis son entrée en jeu. Gaël Clichy qui va pouvoir faire cette touche. Qui perd un peu de temps, qui gagne du temps pour les Servettiens, ça va être pour Crivelli encore une fois pour son ami et ça va être pour Cespedes. Cespedes qui trébuche deux lignes, qui le pousse presque pour pas qu'il le gêne et ça va être faute finalement de la part de Cespedes et deux lignes qui on le voit, son carton. Il c'est était le passé à septième côté, carton de la saison, ce qui veut dire qu'il est sur le point d'obtenir lors d'une prochaine rencontre sa suspension. Deuxième suspension pour excès de carton jaune. Alors que Crivelli vient gêner un petit peu le coup franc saint-gallois. Maglitsa qui va pouvoir jouer sur le côté gauche avec Guindo. Guindo qui essaie d'entrer, mais il doit revenir vers Quintilla. Quintilla de retour pour Maglitsa, le joueur le plus reculé du bloc saint-gallois, alors que le public se lève. Il nous reste combien de temps? Il nous reste, je vais ouvrir tout de suite l'écran avec le temps qui nous reste, deux parce qu'il nous reste moins de 2 minutes avant la fin de cette rencontre. Et les saint-gallois essayent de créer quelque chose, mais ne trouvent rien. Et Maglitsa demande à ses coéquipiers d'avancer. Et à chaque fois qu'il passe en avant, ça revient dans les pieds de la défense. Et le pressing des Servettiens ne désemplit pas. On a 4 joueurs Servettiens extrêmement avancés qui sont à l'affût de la moindre perte de balle pour venir espérer le but du hold-up. Parce qu'à ce stade, après cette rencontre, un but venu maintenant de l'une ou l'autre des équipes serait un hold-up alors que il me semble que c'était Schmidt qui avait réussi un contrôle. Et il me semblait qu'il avait subi une faute, ce n'est pas le cas. Ce sera donc une sortie pour les Grenats alors qu'il nous reste maintenant plus que 1 minute dans le temps réglementaire. Il faut s'accrocher là les Genevois parce que... Les dernières actions, ça va être Bauer qui va l'effectuer pour Crivelli ou pour... Valls finalement ça récupère par les Brodeurs, ça va être Schmidt qui peut s'avancer, il la met dans l'axe pour Götler, c'est récupéré par Cespedes. Oui, allez. Attention, c'est l'occasion avec Stevanovic qui peut ouvrir pour Crivelli qui a beaucoup de place. Il y a de l'autre côté Valls, il se précipite un peu trop, ça va être pour Fluquet qui arrive à la recevoir du côté gauche. Attention, la passe pour Cespedes est contrée par Sutter qui fait un bon travail défensif. Guimeno qui n'arrive pas à se défaire des Clichy. La Télade qui s'est défait de ligne et qui demande la faute alors qu'il n'y a pas de faute. Ça me rappelle la fin du match et il y aura faute. Et jaune pour Clichy. Saint-Gall apparemment, faute de Clichy qui reçoit un carton jaune. Et je crois que ce sera la dernière action de la rencontre. Pour moi, il y avait faute avant sur Denis qui se prend une claque sur le visage. Qui reste au sol, je pense que c'est un peu surfait par rapport à effectivement ce qui s'est passé. Mais oui, l'accrochage était dur. Et puis ils ont pas non plus d'image pour Gaël Clichy. Alors lui, il est au club pour... depuis plus longtemps, mais ouais, c'est un peu n'importe quoi les annonces. Il a une petite carrière Clichy, on va dire. Faudrait peut-être qu'on se cotise pour offrir quelques JPEG de joueurs de l'équipe genevoise. Peut-être qu'ils connaissent pas Google. Ouais, alors peut-être qu'ils connaissent pas Google aussi, parce que des images libres de droit de ces joueurs, on en trouve partout. Alors ça se précipite autour du quatrième arbitre. Est-ce qu'un nouveau changement est à prévoir? C'est un petit peu étrange. Quoi qu'il en soit, le coup franc devrait être maintenant tiré. On attend sur l'arbitre. L'arbitre, il demande à jouer. Ah, il y a un changement. Ah non, il demande à jouer. Il demande à jouer. Il n'y a pas de joueur prêt.
Il reste 15 secondes. Ah voilà, maintenant le joueur est prêt. Et les Saint-Gallois ont bien perdu du temps. À mon avis, ça mériterait un jaune, ça, monsieur l'arbitre. Oui, parce qu'il est très en retard. Et tout ça pour l'entrée de Witzig à la place du numéro 22, Latelat. Qui a l'air blessé. Ah, effectivement. Qui a l'air de pleurer. Je n'avais pas remarqué. Il a l'air blessé, effectivement, mais c'est un peu bizarre. Ce serait un peu calamiteux pour Saint-Gall qui ont déjà perdu Schubert s'ils perdent encore leur meilleur buteur derrière. Quintilla qui cherche très loin dans la boîte, c'est Maglitsa. C'est dévié de la tête par Rouillet, mais ça reste en pied Saint-Gallois. Et c'est la fin de la rencontre. Le public Saint-Gallois qui est un peu outré parce que l'action était encore en cours. Mais on va quand même pas cacher le fait qu'on est un petit peu soulagé par ce 1 à 1. Très soulagé même. On craignait la défaite, on s'est fait tellement de fois décevoir par le scénario des matchs ici au Kimoun Park. Mais alors, on va quand même pas cacher le fait que cette rencontre a été passionnante sur le plan offensif. Les deux équipes ont été extrêmement créatives et volontaristes sur ce plan-là. Je pense que Servette a montré une progression assez massive dans son jeu d'attaque depuis le début de la saison. Et c'est probablement l'élément le plus positif à retirer de ce match, si ce n'est en plus le fait qu'on ressort du Kibun Park sans perdre. Ce qui n'était, je retrouve juste mes fiches, ce qui n'était plus arrivé depuis la saison 2021, donc le printemps 2021, et l'unique victoire en terre saint-galloise de la part des Genevois. En tout cas, les joueurs servettiens peuvent se féliciter, ils ont montré des belles choses en premier temps, un peu moins en deuxième mi-temps face aux offensives des Brothers. On verra le prochain match face à Lugano, dont je ne sais plus par qui va être commenté. C'est une bonne question, je vais essayer de chercher la réponse. Mais pour l'instant, je vais continuer. Mais en tout cas, c'est un très bon résultat de la part des Servettes. On sait à quel point ils ont du mal à trouver des bons résultats ici à Saint-Gall. Heureusement, ce soir, ils ont pu ramener au moins un point avec des belles actions, avec des belles combinaisons en première mi-temps. La deuxième mi-temps a été vachement plus compliquée. Le coaching de Gaillard a été réussi, pour le coup, je trouve. Pas offensivement, mais en tout cas défensivement avec l'entrée des Cespedes. Donc on peut s'attendre à... On espère en tout cas une victoire face à Lugano pour continuer à s'accrocher à cette deuxième place et avoir des très bons résultats. Effectivement, donc pour préciser, la semaine prochaine, le match contre Lugano qui aura lieu le 29 octobre à 20h30, c'est donc le samedi soir. C'est moi-même ainsi qu'Antoine Valélian qui commenteront avec Julien Trébert à la technique. L'occasion peut-être de briser un peu la spirale de mauvais résultats contre Lugano. Parce que la Servette enchaîne contre ces deux bêtes noires, Saint-Gall et Lugano. Deux équipes qui posent énormément de difficultés aux Genevois. Mais ici, très belle prestation des Genevois. Oui. Vraiment, j'ai été époustouflé par le niveau offensif. Surtout alors que l'agenda était chargé. Ils sont allés saluer le COP. Hein, ils sont en train d'aller saluer le COP. Clichy qui s'est fait beaucoup critiquer parce qu'il ne vient jamais saluer le COP servettien. Et qui est là le premier en train de saluer les supporters de Servette. En tout cas, il est bon en communication. on va lui accorder ça. On est toujours là encore pour quelques petites minutes si vous avez des questions plus précises sur le déroulement de ce match. Peut-être relever que Saint-Gall continue sa longue série de matchs sans victoire. C'est le sixième du coup. Ça fait 3 nuls. Non, pardon, je suis perdu dans mes fiches. Oui, ça fait 3 nuls et 3 défaites. 3 nuls d'affilée après 3 défaites d'affilée en Super League pour Saint-Gall qui n'arrive pas à coller au classement aux Servette FC. Ils auraient pu reprendre cette troisième place. Eh ben, en l'occurrence, ils ne progressent que de 1 unique point pour dépasser le FC Bâle, victorieux tout à l'heure de Winterthur. En tout cas, ils maintiendront la quatrième place. Pendant ce temps, Zurich a réduit le score à 10, ce qui est tout à leur honneur, sur pénalty par Djemaïm et Grasshopper a marqué le 4-1 ensuite à la 94e minute. C'est vraiment une catastrophe. Grasshopper qui va pouvoir remonter au niveau du FC Bâle, juste derrière Saint-Gall. Donc, pour rappel, au niveau des points, Young Boys reste en tête avec 28 points. Servette à 5 points, 23 points au total. Sion qui reste à une distance raisonnable, hein, 4 points d'écart avec les Genevois. Donc le prochain match devrait maintenir Servette en deuxième position, ce qui est une excellente nouvelle. Et on aurait cette fois-ci en quatrième place le FC Saint-Gall pour fermer ce ranking des places européennes, alors que Zurich reste
désespérément à cette dernière place. 6 points, 0 victoire, 6 nuls, 7 défaites derrière Winterthur qui alors interrompt aujourd'hui sa série de 4 matchs sans défaite qui l'a fait progresser alors de manière absolument époustouflante. Et on aura placé une bonne majorité des mots que vous nous aurez demandé de placer sur Instagram. On a pas réussi à placer mobilité douce et roue. Ça, on dirait que c'est chose faite, hein. Ça dit au micro, donc ça marche. Mais je pense que c'est le moment peut-être, face à ces considérations plus humoristiques, de prendre congé de vous pour ce soir, car la température baisse de plus en plus. Nous avons une conférence de presse à mener et un long retour de 4 heures en train. Donc vous nous pardonnerez de peut-être écourter à ce stade. Un mot de la fin, Juan ? Roue libre. Je n'ai pas beaucoup plus. Mais en tout cas, non, très content de ce match de Servette. On aurait pu le gagner, mais pour l'instant, c'est des très bons résultats. Servette qui continue sur ses bons résultats et sur cette deuxième place. Et on espère que ça va continuer comme ça, au moins jusqu'à la trêve hivernale, pour le temps de récupérer tout l'effectif servettien. Eh bien, en tout cas, merci pour votre fidélité de nous avoir accompagnés durant cette rencontre comme d'habitude. Vous pouvez retrouver tous les commentaires des matchs du Servette FC ici même sur la chaîne YouTube du Servette FC ou sur lucarne-grenat.ch. Nous avons été les journalistes de Lucarne Grenat pour le compte de l'équipe Grenat. Nous vous souhaitons une excellente soirée et à la semaine prochaine.